Bonjour tout le monde, et oui, et oui, 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 encore une fois, une autre fois, une autre fois, un autre épisode du podcast Game Over, Vends-moi ça, pour ceux qui n'ont qui jamais encore vu un épisode, Vends-moi ça, c'est quoi, dans le fond, euh, ça le dit, Vends-moi ça, mais là, ce pas moi qui vends cette fois-ci, c'est mon invité, parce que moi, ma job, c'est de vendre tout le temps, mais je connais pas tout, puis comme ceux qui ont écouté les deux derniers épisodes, clairement, c'est ça que j'aime, les invités M'ont fait découvrir des choses comme hier, il y a eu Joël Jarre, hier, excusez-moi, la semaine passée, il y a eu Joël Jarre qui nous a présenté les Turf Season, des jeux que je connaissais, mais je ne connaissais pas vraiment. Puis, ce pas des jeux que, parce qu'en tant que gamer, je ne m'intéressais pas en tout, ça fait que c'était bien, parce qu'elle m'a fait découvrir un nouveau monde, ce qu'on peut dire. Euh, fait que là, aujourd'hui, on va recevoir. Écoute, le pays là-dedans, c'est une coïncidence, parce que c'était pas prévu dans mon horaire. On souhaite le frère! Hello. Mathieu Jao! Oui, on souhaite le frère. Ce n'était <laughs> même pas prévu vraiment comme je vais faire passer le frère après la sœur. Écoute, quand, quand j'ai entendu que ma sœur était passée, j'étais comme. Hein? » Mais tu savais même pas que je l'avais invitée? Elle me l'a peut-être dit, puis j'ai peut-être fait. <laughs> hey, C'est beau que... la communication familiale. Écoute, numéro ah. un. On <laughs> ben, va je sais que, va que ça quand va sortir, parce que là, la petite sœur, il faut que. Elle inquiète. Euh, si je peux euh... oh, surtout qu'elle parle de sa série préférée là, euh, on s'entend qu'elle découvert ça à cause de moi puis que c'est dans. Ben, oui, c'est drôle, je trouve ça le fun aussi d'avoir une appris après parce que tu sais comme spoiler <laughs> alert, euh, on a enregistré ça hier, fait c'est très très frais dans ma mémoire euh, Puis sais c'est quoi Star of Season mais là qu'il y en avait comme 40, ah, si on a... prend en considération les Harvest Moon j'étais comme what the fuck avait... euh, comme elle m'avait appris aussi que les deux jeux de GameCube c'était pratiquement le même jeu mais avec mm -hmm. pas le même personnage j'étais comme tu sais ça fait 19 ans que je vends des jeux de GameCube j'ai jamais su que c'était ça euh, tu sais elle m'a appris des choses il y avait des versions avec juste le gars le personnage pour ton gars puis l'autre c'est la fille puis il y avait ah, mais même dire qu'il y avait des versions Game Boy Color yeah. genre je ne m'en rappelle pas puis tu sais moi j'ai une maudite bonne mémoire si je m'en rappelle pas, c'est parce que c'est rare. En tabac, ouais. Même quand je dis que je m'en rappelle pas, j'étais comme Je peux pas je peux pas lui dire Ça existe-tu? Chris, allez-y je peux pas. Je peux pas lui. Mais en ouin. Tu sais, si quelqu'un, mettons, quelqu'un serait venu au comptoir et me dit T'as-tu des Harvest Moon sur Gamer Color? Mon premier réflexe, c'est Ça existe. Non, pas ça existe tu en tout cas, mais ça, elle m'a appris plein d'affaires. Puis, elle m'a confirmé que ça sera. Je vais jamais jouer à ça, mais c'est pas ça l'important. Mais au moins, elle m'a appris sur la franchise. Mais c'est surtout le le Ribbit, ah, Ribbit King. Ouais, le jeu de golf. Ouais, le Renault golf whatever. C'est euh, ça comme j'expliquais. Avec ça là. Quoi, tu vas le voir en l'écoutant C'est un jeu que j'ai vu pendant des années, mais j'ai jamais su c'était quoi. Là, tu sais, juste que c'est rare et c'est cher. Aye. Sans savoir c'est quoi le prix, mais par cœur, mais c'est ça. Mais là, maintenant, je sais c'est quoi le jeu. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun avec les vent moi ça. Découvre-vous des affaires. Ouais, apprendre des affaires que je sais juste pas. On va t'en apprendre probablement aujourd'hui. Ben, c'est ça. Fait que là, OK, euh, spoiler, ceux qui sont vraiment comme assidus, euh, quand il y a eu la mini-saison euh, COVID euh, de, 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 du, du vent moi ça, Mathieu était un des invités. Puis là, je lui ai dit qu'il revient. Puis là, je pas D'habitude. Je ne demande jamais de consignes à mes invités. Ils amènent ce qu'ils veulent, ils parlent de ce qu'ils veulent, je m'en fous que j'aime ou j'aime pas, c'est pas grave. Mais lui, je l'avais dit pendant la dernier épisode, euh, pendant la COVID, tu pas le choix de me parler de Trails, la, la franchise Trails, puis les Megaman Battle Network. Parce que, pourquoi? Excuse-moi, euh, je parle beaucoup en ce moment, c'est que les, euh, les Trails, c'est une méga franchise vraiment imposante qui est pas accessible si tu les joues pas day one. Puis les Battle Network, pourquoi? C'est parce que à ce moment-là, ils il en parlaient comme c'était genre wow. Mais moi, c'est parce que ce que je trouvais particulier, c'est que dans les débuts, quand ça sortait, personne jouait à ça. Tout le monde trouvait ça mauvais. Fait que ça me fait penser aussi au Chrono Cross, ah. que quand, dans le temps, c'était de la dompe, mais quand ils ont sorti remaster à la Switch, tout le monde, tout le monde veut ça. Puis là, là, ironiquement, euh, quand on en parlait pendant ouais. la, la dernière épisode, le dernier épisode, le Legacy Collection n'était pas annoncé à rien. Puis là, évidemment, quand il était annoncé, y a eu plein de précommandes. Fait que ça, ça vient d'où, ça? ça la, de... la, c'est parce qu'on en avait parlé à cause du soundtrack. J'avais reçu des vinyles, puis tout a flippé sur le vénil de tout ça. Soundtrack, mais le lore avec. Mais le lore, pas juste de Battle Network, mais de Megaman en général. Ben, c'est ça. Fait que C'est pour ça que là c'est la seule fois que je donne une consigne, entre guillemets, à mon invité. C'est qu'il faut qu'il me parle de tout ça absolument. Oui, mais avant. Tu as ton histoire avec ta soeur? Like, ah écoute! Non, que, genre, euh, tu sais, un mais genre, tu lui mettais sur ses sur tes jambes, là, tu l'as fait découvrir le World, Puis tu as fait découvrir, découvrir ton saison. Tout, 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 tout. Les Harvest Moon, dans le temps a appelé, ben, Harvest Moon existe encore, master. star ouais, 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 on oui. C'est toujours sur, season, hein, là, sur, là, sur que, Mais euh, l'idée que je trouve. Tu sais, en fond, toi, c'était-tu genre une façon vraiment pour toi de te connecter avec ta soeur? Ou oh, ça a oh. juste été naturel, puis tu fais te Moi, je vais gamer, j'ai montré ça à mon frère, on joue ensemble, je vais montré ça à ma soeur, on joue ensemble. Mais comme ça. J'ai découvert que tu avais un frère avec l'épisode de toi. Ah, lui ça pas souvent. Ben, <laughs> c'est Comme tellement un peu chien. mais ah, ai, l'aime bien mon frère. Je me exemple. disais, je l'ai déjà vu dans le magasin. Euh, il est, est pas mal les jours passés, mais jamais, jamais Comme le frère, c'est euh, ma, ma, ma soeur. Là, on, tout le monde sait c'est qui. Là, veut dire quand j'arrive à des places, mon gars, t'es le frère à Joël. Je fais, oh, non, pas une autre Je fais comme bon, qu'est-ce que ma soeur a raconté sous moi. Non, mais c'est souvent ça. Ça vous semblez pas pantoute. Non, pas pantoute. Je ressens vraiment grand mon frère, mais. Ma soeur, elle, on se ressemble pas, mais non, non, c'est juste cute de, de, de rappeler là, tu peux passer ça, puis tu peux rappeler que c'était ça. On... Tu sais, poser une question, tu sais, ta soeur elle disait que elle, le premier jeu où est-ce qu'elle a été consciente que c'est quoi un jeu où ou ce qu'elle pouvait jouer, c'était Harvest Moon. Ouais. Toi, tu peux tu le dire c'est quoi? Parce que moi, hier, je oui, pas... compte... suis <laughs> Mon père. Mon père, c'est un chasseur mmh. de canards, fait qu'on avait le vieux. Ah, on avait ouais. la vieille Nintendo, la NES. Mmh. On avait le, 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 le kit combo Mario avec ça, puis on avait bien sûr le gun. Fait, le papa, lui, il avait ça, il aimait bien ça. Fait que moi, petit gars, euh, <laughs> Mario. Puis après ça, ben on est tombé... Je pense qu'on avait rien que ça comme jeu. On avait mm. rien d'autre au Nest, à c'était la seule affaire. L'impression après ça, on est tombé sur Super Nintendo, puis euh, là, 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 ça a dégénéré. <laughs> tu vois? C'est pas que je t'écoutais pas, mais je t'écoutais pas tant que ça, parce que j'y repensais repensé, puis j'ai découvert c'est quoi mon jeu. Tu sais, oui, j'ai joué à Nintendo. T'sais, oui, il y a Gunsmoke, mais je pense Ta que je ne jouais pas vraiment, je faisais juste peser un peu sur des boutons. Ouais. Mais je pense que le, vraiment le premier jeu où est-ce que j'ai vraiment mis de l'effort, c'était Mega X. Ah, la boy! au Spy Ness. Ness. C'est vraiment, tu sais, au Ness, tu j'ai joué à Super V Spike Volleyball, Docon, euh, le jeu, je pense, que ça s'appelle Star Force, où dans le fond, t'sais, tu fais le tour de l'écran en tirant. C'est un, un genre de schmop weird du okay. NES là. C'est Gunsmoke. puis les affaires dans ah, le Gunsmoke même contrat, mais tu sais, je n'ai jamais vraiment mis de temps mais là je pense maintenant que j'y pensais pendant Mega que je parlais X, je me rappelle ça c'est un mon frère et moi on s'entend pas tant que ça tu sais je, je pas qu'on s'entend pas bien mais tu sais c'est pas ma personne préférée toujours mais joue. les moments que je pensais que mon frère c'est quand je jouais à Megaman puis tu sais dans Megaman quand le boss euh, rendait à Moitié de vie il y a une Enrage <laughs> ouais mais on a mon frère il est frustré <rire> <rire> puis écoute on était tellement parce qu'on était super jeune on ouais, était pas ouais. bon on était tellement stressés, que là, quand ils commençaient à être frustrés, on paisait sur pause. Là, on allait baisser le son de la télévision, parce qu'on ne pas que la musique nous distrait. Je suis concentré pour. Euh... Ouais. <laughs> puis on était vraiment super nerveux. Puis je me en rappelle encore, c'était une télévision brune sur pattes. Hey. Tu sais, il fallait se lever pour paiser sur le bouton pour baisser le son. Puis là, là, on était devant TV, là, puis là, on se concentrait. Puis ouais. Okay. Je pense que c'est le premier jeu où j'ai vraiment. Puis quel instinct après ça. Ah, okay, Stink. instinct. Quel okay, instinct, ça. Hey, je me en rappelle encore. Je continue de voir de jeu. C'était bon mon premier jeu de combat, ça. Moussi. C'était. Puis je me rappelle encore une histoire de jeunesse, excuse-moi. C'est. J'avais de la misère à faire les Ultra. Puis là, une manie, j'étais juste chez ma mère. Je mm -hmm. jouais à Killer Instinct. J'avais amené ma Super Nintendo chez les ailes par en séparer. Puis je me rappelle encore, pour faire l'Ultra, c'est pendant un combo, tu fais deux fois en avant X. OK. Pour faire le Ultra. Le, 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 non, pas l'Ultra, le, le c'est Ultra Combo. Puis là, quand je vois Cinder faire le combo automatique, yeah, on... je me rappelle encore. C'est le il coule. Puis là, lui est arrivé, puis il voit juste le mot ultimate. Puis c'est weird parce qu'à ce moment que j'ai fait le ultimate, ça a débloqué pour le jeu. Tout rentrait, tout ça. Bang! Tout! Tout! Je faisais l'Ultimate de tous les personnages, je faisais les finishings de tous les. Tout là, on dirait là, que dans mon cerveau. Là, tant, tant, ça, ça, a, ça a décliqué, puis. <laughs> ouais. Excuse-moi, là, je sais que je parle trop en ce moment, mais ouais, <laughs> là, ça vient de me popper dans la tête. Le faut... thing, mes Des fois, les, les, moi, le même c'est le fond là. Ouais, T'sais, parce que hier, je peux pas le dire à ta sœur, c'est quoi mon, mon, jeu qui m'a fait comme, T'sais, écoute, rapidement, toi, tu parlais du volume, t'as baissé. Moi, je me rappelle du volume, j'ai monté. Puis ça a été parce que j'avais jamais joué à Final Fantasy IV. Mm. Puis c'était un RPG quand tu te bats contre Q-Lex. C'était un boss. C'était un RPG. Ouais. Tu te battais contre Q-Lex. Il était dans Monstro Town. C'était un boss spécial. Puis il y avait ah, la toune de ah, Final Fantasy. tu le de Avec les boss. quatre cristals. Non, attends, oui. -tu le... mettons, genre, un village sur des flancs de montagne, là? Genre, ouais, 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 ouais J'ai jamais réussi à le battre quand j'étais jeune. Il était raide, il y avait quatre cristals, puis le boss était un gros bonhomme mauve avec un gros cristal bleu sur lui. Ouais. Mais c'est même pas un boss de Final Fantasy. Non, c'était un ultimate boss, là, comme De, ben. de Mario RPG, mais c'était la toune des boss de Final Fantasy. OK. Puis cette toune-là, quand je l'ai attendue la première fois, ça a fait. Ah, moi non. J'ai boosté ça, j'ai fait. Ah, oh, ouais. Puis ça reste une de mes boss fight battle team préférés. De, de, de ben euh... Tu vois, je, regarde, on, on parle de nostalgie. <laughs> je me rappelle, oh. ma mère, elle avait loué Mario RPG pour une fin de semaine. Puis on a bloqué une place qu'on n'était pas capable. Dans le bateau pirate. Oh, le mot de pause! <rire> <rire> a, on, a, le jeu était pas en français. On comprenait pas une nostalgie de mots ben, en anglais. Non, attends, moi, ce qui est pire, c'est que je en l'anglais dans ce temps-là. Oh, même là, j'étais déjà bilingue dans ce temps-là. Mais c'était le puzzle-like de trouver les. Parce qu'il y, y avait. Écoute, je me rappelle encore. Il y avait un. Un des. Euh, un des indices c'était oui. En français ça disait genre euh, it, Non en anglais c'est it lies in the bed of the sea On the bed of the sea. On the bed of the sea? mais on the bed of the sea, c'est comme une expression pour dire dans le, 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 le plancher whatever, ouais, le, le fond marin. Ouais, ouais. Mais moi, bed pour moi je, 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 je comprends en anglais, mais moi pour moi c'est un lit. lit. Comment ça un lit dans l'eau là, ça m'a bloqué <laughs> le cerveau qu'on aura le jeu. <laughs> wow. Puis à Pis, ah oui, je me rappelle. J'étais vraiment en crise <laughs> parce que des années après en émulateur, Aye. là j'ai euh, joué, puis là quand j'étais rendu là, j'étais comme bon. Là je allé voir sur GameFAQ uh, ou whatever, oh, ouais, Google. C'est ça, dans ce ça temps, -là. Dans ce temps là. Pearl, Pearl, Pearl. pourquoi Pearl Puis là j'ai comme catché. ah, oh, Bed and the c'est au fond marin. <inaudible> ça peut être tabard. De fait que spoiler, manche. Mario RPG, ceux qui ont jamais joué, là on passe dans le bateau de Johnny, de Johnny, euh, je on dire <laughs> De Jonathan Johnny Jones, la a passe de Pearls. Tu vois, avec un je sais que toi t'es excité parce que tu me l'as dit. Ah, Mario RPG Remake. Ouais, oh. ouais, 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 ouais. Le 17 novembre. connais la date par coeur. Attends, j'ai regardé le trailer au moins 50 fois. C'est pas que je suis anti-remake parce qu'au contraire, j'aime ça, des... ça les remake parce que je gagne beaucoup d'argent avec le remake. Ouais, ouais. En tant qu'homme d'affaires, si je peux plus construire un homme d'affaires. Puis moi, je suis très content des remakes parce que ça donne l'opportunité à des gens de jouer à des jeux qu'ils n'auraient pas, qui pas joué dans le temps. Oui. C'est sûr que là, maintenant, si quelqu'un dit « Ah, j'aime ça jouer à Mario RPG », ben, trouve le à 120$ au Super Nintendo. Ah, ben, je suis bon, il est rendu plus cher maintenant. Ou, ben, prenez ça à Switch Switch coût moins cher, va être une meilleure ben, qualité. Fait que j'aime ça, le remake pour ça. ça, ça oui. Comme Il y a plein de monde qui ont découvert Dead Space, que j'ai toujours trouvé que c'était une, 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 une compagnie à cause du 3 qu'il avait planté. C'est un bon remake. Exactement. Mario RPG va le faire. Parce nice. que j'ai vraiment là nostalgie avec. Puis j'ai jamais fini Mario RPG. Oh my God. J'ai, Dernière oh. fois que j'ai joué, j'avais arrêté à midi. Le dernier boss. C'est le dernier boss? Ça je pensais. C'est le dernier boss pour le, le dernier boss. Ah, si j'ai jamais fait le dernier ah, boss. Ça c'est insultant <laughs> quand t'as arrêté au dernier boss. Tu suis même pas capable de finir le jeu. Qu'est-ce que c'est ça? C est c est ça? Juste... Non 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 non. C'est pas que j'ai pas <laughs> gagné, c'est que je me suis pas forcé, ouais, pas fort, hein. Mais moi ce que j'aime du remake. Puis j'en parlais avec un à ma job avec un gars avec Peugeot, t'es mm. comme, tu sais, on voit, on a vu les ennemis un peu. On a vu que dans, dans, dans Forest Maze on voyait euh, Wiggler, mm. on voyait le, le, le Kong techniquement, donc le Kong, on va dire là. Mais là, moi j'ai hâte de voir des boss comme on voit Mac, le premier boss, la Sword. Moi j'ai hâte de voir euh, Bellhomme, l'espèce de de de, de, de 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 tu le vois dans Insoureur avec Malo, il a quatre yeux genre, puis il fait un clone de toi ah, avec oui. sa grosse tête. J'ai hâte de le voir même dégueul. Ouais. En beau, j'ai hâte de voir les XM Rangers. Ça, c'est. Ouais, ça, c'était up, comme fight. Puis j'ai hâte de voir. Mais a Attends, XM Rangers, il a pas hey. un a gros canon aussi. avec ouais, les Ouais, c'est une tête avec un canon oh, en Puis quand t'es bas les cinq, Axem Red, il embarque dessus. Les ouais. autres sont inactifs, puis il y a juste lui. Ah, oh, je rappelle. Il est en deux phases. Mais j'ai hâte de voir avec le petit Jinx dans Monstro Town. C'était le Sensei dans le Dojo. Tu te battais contre un Koopa, puis après ça, quand tu le battais, il y a le Sensei apparaissait, Il y avait une grosse couette verte en arrière, il était chaud. Puis le troisième fight, il commençait à Silver t'es bon! Un ballon à terre, à moins que tu fasses Perfect Block, ce qui était vraiment dur contre le Silver Ballon. C'est ça que j'aimais beaucoup de Mario RPG. C'est pas, pas juste le fait que c'est Mario Whatever. Parce que moi, j'ai pas tant le, le, le Mario ouais, Super, mais c'est justement les Perfect Block, les, les, les Perfect blocks. Time de Attack, les. Fait que les... tu sais, des fois, le RPG, tour par tour, un peu, c'est que la platitude de jeu-là, c'est un coup, c'est fait. Tu... Ben, oui, puis tu pèses. Moi, à ce temps-là, -là, j'écoutais la TV en mais que je jouais à des RPG. Faisais un coup, je vois pas ce que tu puis un coup, je à Le coup est fait, parfait. Mais lui, c'était comme un base turn, tu sais, avec. On prédit des. Je pas, pas des Quick Time events, mais on, Non, non, mettons... un temps. Un... Ouais, mais ben, il fallait que tu sois actif. Ouais, c'est ça, euh, ouais, c'est ça. Il y, y a un terme, je ne l'ai plus, là mais c'est ça, là, de peser sur le bouton au bon moment, ouais. que tu bloques au bon moment. Les Super Jump, il fallait que tu sois timé. Le, le, le Fireball, il fallait que tu pèses le plus rapidement. Euh, Gino World, il fallait que tu pèses deux fois sur Y, puis c'était avant et après, puis ça faisait 9999. Ouais. c'était le truc pour tuer Exor bien facilement, les puits. La grosse épée dans le, ah le ouais. château. Tu pétais, oeil, tu pétais un œil. Ouais. Le crâne était accessible. Gino Wall sur le crâne 9999, Parce qu'il était compté comme un ennemi normal. Okay. Moi, je me en rappelle encore. Ça, c'était drôle. On ça. parle de nostalgie. Euh, tu sais, quand tu vois Bowser pour la première fois, moi, j'étais hey, petit-kid. là. Tout le monde attaquait Bowser. Oui. Puis Je voyais que ça faisait rien. J'étais comme... <laughs> hey, j'étais comme... Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'ai accroché le D-pad. Puis, j'ai vu la flèche bouger. Oh, ben, Mais le pire, c'est que... Peach, elle dit: attaque la chaîne! Mais tout le monde pèse pour skipper le texte! Mais oui, mais tu t'en fous, t'es jeune! Et voilà! Euh, quand Kalanini quand, quand, s'est quand sorti le jeu, tout doit sortir? Ça fait 27 ans. Bon, 27 ans. J'ai. Quel que j'ai? J'ai 39. J'avais 12 ans. Pense-tu que j'allais écouter une fille me dire quoi faire? <rire> 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 wow, toi, hey! Wow, Twin! Je pense que c'est ça, 96. Je pense que c'est 96 ah, ouais. en, euh, en Amérique Sud. Fait que. J'ai vraiment hâte. J'ai déjà pris un congé euh, pour... parce que je travaille cette fin de semaine-là. J'ai dit je prends off. vendredi, c'est clair. Ouais, fait, ça, ça, ça fait va être un remake euh... que je vais probablement oh, ouais, en prendre. Ça va, être, ça va être un méchant bon remake. Puis, en même temps, ça, c'est. On peut dire une dernière fois là-dessus. Ce qui est le fun, c'est qu'enfin, après des années et des années et des années, Square Enix et Nintendo refont de quoi? Ben, ils refont de quoi? Ils ont dit juste OK. Mais... Oui, mais c'est. Tu sais, tous les personnages, à part tout qu ce qui est Mushroom Kingdom, Mario, tout le kit, mm. tout appartient à Square. Oh, ouais. Fait que là le fait que, moi le... Mushroom Kingdom. Non non mais Mushroom Kingdom, tu sais ça, ça appartient à Nintendo ouais. tout à Bon là O, oui oui, oui, oui. tout ça c'est à Square Enix. Oui. Mais là le fait qu'ils font un partenariat ça veut dire on va tu avoir des gens en partenariat entre Square et Nintendo. Non mais la question se pose. Mais moi <laughs> j'aimerais ça. Je sais j'espère je, je gros en tabarouette. Hey, ça fait hey. disant j'entends dire à chaque fois que oh, on va annoncer un nouveau personnage de Smash, c'est Gino. Gino, tout. <laughs> Attends là 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 le prochain Smash là il va être là là. <laughs> Ah, est-ce que ce va être chiant? Ça va être un V character. Ah, juste pour être que. Chien. Hey, je ah, par... Ça serait tellement drôle. Non, c'était plus insultant d'avoir un costume en mi que d'un foutu trophée. Ça, c'était insultant ta barouette. Ouais. Ah, tu vois ça, tu fais comme. Sérieux là? Ah, ça c'est troll. Ouais. <rire> <rire> ah. A... Ah, une bonne nostalgie, ça. Ouais, j'ai hâte tout ça à Marie Wonder. Ah, Ça, j'ai hâte avec. Parce que, il y a de l'air beau. Il y a de l'air clean dans ta Parce tablette. que, tu sais, l'affaire que j'aime de. Tu sais, parce que Nintendo, il y en a souvent les la, la, la langue sales qui disent ils n'y pas. Puis, dans un certain égard, ils ont raison. Ouais. Mais, ouais. tu sais, parce que quand ils y en a ce Wonder, initialement, tu sais, le début de Trailers, ah, c'est une plateforme 2D, bien traditionnelle, merci mon soir. Super Mario. Mais ouais, là, tu sais, c'est ça que j'aime avec ce jeu-là, c'est que c'est un gameplay traditionnel, ouais. mais ils ont mis de la sauce, de la la, là la Je trouve qu'ils ont mis une genre de mécanique que tu verrais dans un jeu de Kirby. Kirby, c'est tout le temps flyer, genre avec ouais. un autre world, quelque chose de même. Puis là, le fait que tu as es une espèce de world, tout de vie, tu des, ils s'allongent. Tu sais, l'idée, c'est qu'ils ont réussi à, à jouer safe côté gameplay pour ouais. pas faire turner off leur, le, leur le, base le. client. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, ceux qui chialent, c'est les méga hardcore gamers qui, genre, qui vont Fan. quand même l'acheter. Ouais. Mais ils vont chialer tout le long. Premier, de, puis ils vont quand même chialer. Mais veut pas qui qui achète beaucoup aussi, c'est les parents, ouais. les petites familles que autres s'en foutent eux ah, autres okay, qui ont des enfants de 5 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est Mario fait Hugo exactement, ouais. tu sais, ouais. fait ils ont, ils ont réussi à jouer safe, mais tu juste l'animation quand Mario rentre dans le tuyau puis il ressort, juste cette animation, c'était pas obligatoire de mettre du temps pour ça l'ont fait. Fait chouette comme OK, ils ont joué safe côté gameplay, mais, mais ils, ont ils ont mis, mis euh... de la sauce là, et, Ah, va être épaisse la sauce la, Moi je moi, je suis comme « Oh, ça va être hot! » Tu sais, ça va être gameplay bien standard, mais tu vas faire comme « Wow! » Moi, c'est la même chose avec euh, le jeu de Sackboy qui est sorti le dernier, c'est... Euh, Sackboy, dans le fond, là, euh, sur PS4, PS5. Oui, mais... oui, oui, oui. celui-là? Non, 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 non j'ai pas... Euh... Gameplay bien traditionnel, mais... mais le visual... Le... le visual, le. Oui, le, 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 le... Les, les settings, etc. C'est beau. C'est complètement... ça que j'ai adoré ce jeu C'est pas pour le gameplay, c'est le set-piece de tout l'environnement. Puis Wonder, c'est exactement ça. Puis moi, dans les jeux de Mario, quand je joue, j'aime mieux avoir des jeux linéaires comme ça que des jeux de puzzle à la Mario Odyssey ou Mario Sunshine, whatever. Ouais, et plus un. plus tous les plateformes. Mais c'est ça, on a tous de quoi de, de, ouais. de personnel, tu sais, c'est comme... Tu sais, ça mettons, je m'en vais là, ça. Quand on allait parler pour le Mega Man, tu sais, moi, je préfère Battle Network puis Star Force au Mega Man ordinaire, mais c'est parce que j'ai grandi avec Battle bon, Network. Bon, ben, on a fini de parler de Mega Man go, on parle de Mega Man d'abord. Okay. je te commence avec ça. Puis ouais. pourquoi, le pourquoi, en général, de Mega Man, c'était pas c'était pas juste par rapport, mettons, à Megaman, mais c'est une idée générale que bien du monde se font pas et qui est le fun à en parler. C'est le lore dans une série. Parce que Megaman, tout le monde va faire que t'as Megaman, t'as Megaman X, t'as Megaman Zero, t'as Megaman Legend, t'as Battle Network, t'as Star Force. Il y a bien du monde qui savent pas que... Attends, attends. Là, tu viens d'en prendre de quoi, là? Megaman, Battle Network Star Force, c'est pas la même franchise. C'est là, là que ça devient cool dans le lore. Mega Je pars euh... avec ça. Le lore de base de Capcom, parce que Capcom, mais, comme Nintendo. Sûr, ils ont on fait ça. des podcasts, il faut que j'apprenne des affaires. Ouais. Là, je viens d'apprendre que Star Force puis le Network, c'est pas la même franchise, mais en même temps, c'est la même. C'est ça. C'est là que le lore est important. Là, tu as Megaman, tu as Megaman X, puis après Megaman X, tu as eu Zero, puis après Zero, tu as eu Legend. Ça, c'est le même timeline. Mais Dr. Light Dr. Willy, les deux, l'antagoniste puis le protagoniste, mm -hmm. de, de, on va dire, des de, 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 docteurs, tout ça, eux autres, ils ont utilisé la robotique, l'ingénierie là-dessus. Mais Battle Network, c'est si à la place, ils avaient étudié l'informatique. Hey, t'as l'air vraiment dedans, là. Oh, <laughs> oui, j'adore ça. <laughs> si Dr. Light, Dr. Woolley avaient étudié l'informatique, t'avais ouais. pas X, t'avais pas Megaman, t'avais Battle Network. OK. c'est là il y a bien du monde qui font comme, oh, euh, c'est pas. Euh... Oui, c'est pas la même série que Megaman. C'est pas ce là. que je m'attends, puis. C'est un RPG, le monde ont vraiment comme décroché. C'est pour ça que les gamers des fois. Ils vont tout le temps chialer, ah. ils font tout le temps la même affaire, ils sont pas originales, ils réusinent. Ils font de quoi de différent? « Ah c'est pas pareil! » J'ai tellement la même histoire, puis je m'excuse si tu te reconnais, ça m'a fait tellement rire en-dedans de moi. Un gros rant pendant 30 minutes de quand même les concepteurs de jeux, ils n'offrent pas, puis c'est la même affaire, puis etc., puis blablabla. Tu as le droit. le ah. droit d'être frustré. Puis à la fin, il me pose la question, quand est-ce que Crisis 3, puis... Euh, Dead Space 3 sort. C'est viens pas de t'écouter, même? Oui, là, t'es texté, c'est des jeux-là. Il y en a un gros, de même. Écoute, <sighs> moi, moi, à ce là, je suis je, je all-même plus. J'essaye le jeu, j'aime ça. Puis, moi, qui innove, qui a la même affaire, moi, tu me reverrais, là, un vieux 2D platformer du style NES, je vais aimer ça. Un Mais vieux RPG du style Super Nintendo, je vais aimer ça. Tu vois, l'affaire qui m'a fait drôle, c'est les Batman Arkham. Après Arkham City et Arkham Origins, le monde réclamait qu'on puisse conduire la Batmobile. C'était comme, Oh, c'est on ne conduit pas la Batmobile. C'était quoi l'élément négatif de Arkham Knight? C'est la Batmobile. Ah ouais. Ah ouais. Ben, J'ai pas joué à l'IA. La Batmobile, c'était pas, Bat pas mauvais. C'était le fun, etc. Okay. c'est parce que des fois, tu avais des 7 pieces ou est-ce que tu battais contre des drones de tanks. Okay. Mais c'est pas Batman. Tu sais, ça, ça fitait pas, je trouve. Ah, okay, Puis, ok. Le Riddler, okay, ouais. c'est des épreuves de course. Au lieu des épreuves mentales, c des t'sais, 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 tu sais, c'est des adresses. Tu, tu ponques ton char dans des tunnels, faut que tu évites des obstacles. Puis c'était pas des obstacles le fun, c'était juste, OK, là, je viens de crasher là, je commence au dernier checkpoint, puis je sais qu'après ça, il faut que j'évite ça. Fait que c'était juste du essai-erreur plate. OK. Fait que tu sais, puis là, le monde sont en crise. Comme, un hey, Batmobile, c'était de la merde. Mais ben oui, mais c'est ça que vous vouliez aussi. Le monde ont tout le temps chialé, c'est Mais tout le monde. non, mais c'est exact. c'est le, le point que je voulais faire au final. C'est chaud. Allô, excuse là, moi c'est ça. Madame de Parce que là, c'est ça. De Megaman en général, c'est ça qui est le fun. Puis je pose souvent la question à. Euh, je pose souvent des questions du monde quand on parle de Megaman, des fait la même Puis là, tu connais, tu connais un peu Megaman, mais tu sais, il y a peut-être des affaires que tu connais pas. Puis, je vais te poser une question si t'es capable de répondre, c'est le numéro 1. Le... À la lutte va chier là. Non, 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 là, tu non mets de la pression. Oui, oui, si je réponds. Non, okay, y a... Y a J'ai dit que le podcast, ça sert à me faire apprendre des choses. Et voilà. j'ai carte blanche pour me tromper. Oui, monsieur. Parce qu'il y a beaucoup... Ne de... me pas si je réponds pas <laughs> comme il faut. Il <laughs> y a beaucoup de monde qui le savent pas parce que c'est justement là que le lore, puis le check-up, tu sais, souvent on joue un jeu. En pis... plus, excuse-moi, c'est quoi la pression hier J'ai dit que l'une de mes franchises préférées, c'est Megaman. Fait que là, j'en ai la pression. Non, là. mais tu peux avoir une franchise préférée sans connaître le lore. Tu sais, il y a du monde ouais. qui adore la série des Souls, Dark Souls, qui te connaissent zéro lore. Mais tu vois, moi, c'est ça. Moi, j'ai souvent dit, je suis un imbécile. Moi, je veux juste quelque chose de simple, fun. Puis, tu sais, moi, où est-ce qu'il faut que l'histoire, je la comprenne en déduisant des choses, en lisant des textes sur des feuilles qui, sont, qui traînent sur des Allez. bureaux? Non. Ah, non. Tu <laughs> sais, je sais que le lore de Destiny est le fun. On va oublier les trails? <rire> non! <rire> ben, c'est ouais, c'est ça. Mais... C'est ça que Exemple, de moins l'histoire comme Spider-Man, ouais. est-ce que c'est une narrative vraiment comme cinématique? Pendant comme... que tu joues, On pourrait dire euh... comme un film. Oui, oui, oui. Tu jean je vais te compter l'histoire oh, par cœur. Ouais. Mais là, quand tu vois, mettons Dark Souls, justement. là, il faut que, que tu lis tous les systèmes pour savoir les. Euh, les, les... Non, mais c'est ça. Mais tu peux. Mais c'est ça, tu peux aimer le jeu, tu peux aimer la série sans. Allez pousser plus loin. Que je me donne une porte de sortie en disant, regarde, oui. je connais Megaman, mais je connais mais pas tant que ça m'en Le fait de vendre un lore, t'sais, admettons à toi, mais en même temps à tout le monde, c'est que beaucoup de monde qui font juste comme pas y penser. Puis là, c'est là que je m'en viens avec la question. Ouais. Le plan général de Dr. Willy, c'était quoi? Tu penses? Ta carte blanche. Tu peux te tromper, puis tu peux. Euh... Tu sais, il, il a tout le temps été en maudit après Dr. Light. Parce que Dr. Light a tout le temps été en haut de lui. Ouais. Puis là, tu joues Megaman, puis Dr. Willy, c'est tout le temps le méchant. Son but, c'était quoi? Je ne sais pas, mais je, on dirait que j'essaie de deviner, là. le deviner. Donne une idée. J'ai-tu un droit à un indice ah, il, Non, non, il, non. Je te donne un indice. Okay, le, mot, il, ça ça repart avec les Mavericks, mais pas les, non, les Mavericks, les robots. Les robots. Les ben, ouais. Clairement, je suis pas mal sûr que Willy, parce que je sais qu'ils sont allés à l'école ensemble. Ouais. Okay, regarde, tu vois, je suis pas si pire. Non, ça commence bien. <laughs> tu sais, je connais, regarde, l'affaire de Laure. Je sais que Sigma, c'est un ancien Maverick qui a été... Non, non, hein, non. Pas ben un Maverick Hunter. Ouais, même où ils ont oui, les méchants. C'est un Maverick Hunter, puis Zero a été créé par Willy. Ah, ça il sait, je suis oui, content. Oui, je sais. Ah. Puis que dans le fond, c'est oui parce que dans le Il y en a tellement qu'ils ne savent dans pas. C'est la Cinématique X-Cat, ça qu'on découvre ça. Oui, à un donné. oui. Là dans le fond, c'est comme c'est un virus que Sigma. Tu sais que Sigma revient tout le temps parce que sinon on n'est plus une entité corporelle, les robotiques. C'est un virus, c'est un ouais, programme informatique le, qui infecte le le virus que Willy a créé, qui a implanté dans Zero. Quand Sigma, il pète le cristal à Zero, tu vois le W, Et... puis ouais. le virus il infecte. C'est ça, ça je le sais. Puis là, ça a poussé plus loin, après ça. Bon. Là. Mais là, on pousse, parce que c'est dans Megaman X. Là, on parle de Megaman. Parce que j'étais le... plus fan de Megaman X que Megaman. J'ai pas fait toutes les Megaman. C'est pour ça que, comme Protoman, je sais pas où il vient d'où, je sais pas qui voilà. Pr proto Protoman, c'est le premier robot créé par Dr. Light. Il est arrivé avant Megaman. Protoman a été comme... Comment je pourrais dire? Il est... Il voulait pas obéir à Light. Okay. Il est parti tout seul. Puis Dr. William a mené le pogné. Puis il l'a un petit peu transformé. D'accord. Ben, mais okay, il okay. est quand même resté. Euh... Le plan de Willie, je suis sûr qu'il voulait. Écoute, c'est tellement japonais. Il voulait qu'il y ait une cohabitation entre robots puis humains. Non, OK, bon, OK, vas-y. Bon, okay, bon, voilà. Non. Deux plans qu'il y avait, Willie. Deux... Okay. Conquérir, conquérir la le monde. Le me dis, c'est quoi son plan Il y en avait deux Oui, monsieur oh, Il voulait conquérir le monde. Ah, il était tapis. jaloux en Corée, mais il voulait oui. aussi anéantir l'humanité. Y a-tu réussi? Euh, oui. Après oui, combien d'années? Parce... C'était... Euh, c'est le... Tu penses qu'en ce cas, Megaman X, c'est le 20XX. Oui. Puis, ça, ça a pris 100 ans? 1000 ans? 3000 ans. 3000 ans. 3000 ans. OK. Puis pourquoi c'est là le lore que je m'en vais? T'as Megaman, ouais. le Blue Bomber. Ouais. T'as Megaman X, qui est un autre Megaman. C'est pas le même que Megaman. Non? Le Blue Bomber puis X, c'est deux... Différent. Light a créé Megaman a créé X ouais. pour être un, un robot qui pouvait évoluer un peu plus humain. La série X, c'est un Maverick Hunter, blablabla. Bla bla, avec la fin de Sigmond, on le sait tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis euh, Les Reploids sont arrivés euh, dans, euh, dans Megaman X euh, X. Ben, je pense que c'est X4. X3, okay. X4. Euh, je pense que c'est X4 avec Il euh, y avait euh, les... Euh, le, pas le General, mais. Euh, en tout cas... Ah, dans X4, il y a le Général, oui. Dans X4, ça. Ben là, le, 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 le bonhomme en noir. Mais il y, y a un méchant, je pense que c'est dans X5, là. Faudrait que je me... Là, je me, me retombe sur des affaires. Mais il y a un méchant qui s'appelait le General. OK. Fait que j'ai plus tous les noms, là, par cœur. Mais c'est ça. Il y a eu ça. Et après ça, t'as Zero. Mais le Zero de Mega Man Zero, c'est le Zero de Mega Man X. Oui. Bon. Puis X, il n'existe plus, là. Mm -hmm. Mais son espèce de Core Data... Et comme volé par les Dark Elf dans Megaman Zero, puis qui devient comme une espèce de méchant. Zero, il bute, blablabla, bla, sauve le monde, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Toute une grosse patente. Mais après ça, tu eu Mega Man Legend. C'est là que le monde fait comme le ouais, Legend fait partie de la même timeline. Oui. Legend, le Megaman qu'on joue, Volnoth, de son nom, c'est tout des robots. C'est toute une sorte de, 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 de robot, on va dire 2.0, créé, qui a évolué, toute l'équipe. Il reste un humain, ce qui s'appelle le Master. Puis dans Megaman Legend 2, quand tu arrives à la fin, tu le vois, il y avait deux options. Soit que l'humanité revivait, mm -hmm. ou que l'humanité disparaissait laissait la place aux robots. Oui, l'humanité avait déjà disparu. L'humain, il a disparu. Le dernier humain a disparu dans Legend 2 après 3000 ans. OK. Fait que c'est là que le monde font comme quand fait je. Que dis... avec les Legend, ça se passe avant X. Non, non, Legend, c'est après X. Il y a okay. des humains dans Megaman X, il y a des humains dans Megaman Zero. Dans Megaman Legend, il reste un okay, humain qui okay, okay, est okay, vraiment okay. plus loin. Okay, okay, okay. Fait que souvent, c'est ça que le monde fait comme, ouais, Legend, si tu avances Si, c'est comme, ouais. tu sais, c'est placé où. Là, tu te dis, OK, l'humain, on n'a pas eu Megaman Legend 3, malheureusement. Puis, là, il est cancellé. Là, tu fais comme. Tu y repars, tu fais le dernier humain disparu. Après 3000 ans où Lee a réussi son plan. Il l'a jamais vu, mais il l'a réussi. Là, tu, quand tu, tu, tu penses au lore, tu fais comme Oh shit, c'est poussé. C'est ça que j'aime de relire des timelines. C'est comme Zelda. La timeline de Zelda, c'est mélangeant, mais elle est belle à lire, elle est belle à voir. Mais ton, clairement, t'es plus poussé que moi. Tu sais, quand tu dis relais, tu c'est parce que tu fais les jeux ou tu vas sur un nom Wikipédia? Je les refais, puis en même temps, c'est parce qu'après, oui, il y a les, les Wikipédias, ça va la même. Mais quand tu refais un jeu, je fais un jeu, mettons, une première fois, plus tard, j'y rejoue, mais là, Là, je check. Là, tu focus. Là, je focus. Mais c'est toi des affaires qu'il faut que tu. Faut que t'ailles lire. Souvent, ils vont sortir des bandes dessinées. Souvent, ils vont sortir que Capcom va ouais. des affaires. Faut que tu pousses loin. Tu sais, c'est comme Zelda, le monde va dire lequel est après lequel, tout le kit. Faut que tu vois la timeline que Nintendo a sorti. Mm -hmm. Puis après ça, tu fais des espèces de 1 plus 1, tu dis bon, ça fait tout du sens, là, Breath of the Wild EU, Tears of the Kingdom EU, bla. Ouais, ça comme Tears, c'est un prequel cool de Skyward Sword, ça a l'air? Ou... On le sait même pas okay. encore. On le sait même pas encore. Fait on a tous des, des, des idées, le fun, c'est le fun de se faire des idées de ou ce qui peut être quoi? Mm. Link to the past, c'est le meilleur Zelda. Bon, fait que. Ah, attention! <laughs> je l'ai dit, l'heure à ta sœur, souvent j'ai comme calé que, exemple, dans le cas de Zelda, ton préféré, c'est lequel que tu grâces. Ouais, c'est Link tout de passe, c'est mon préféré. Il y a, il y a, je dis tout le temps les meilleurs, mais c'est ton meilleur personnel. C'est tout le temps ça. Parce qu'il y a du monde qui vont aimer plus un community of Time, il y a du monde qui vont aimer Majora's Mask, il y en a qui ont aimé Zelda 2. Ils ont le droit! Parce que tu sais, tu peux juste dire objectivement. Mon préféré. Objectivement, c'est quel qui est le meilleur sans dire c'est quel qui le tombe. Tu sais comme quand j'avais, j'ai dit ça à ta soeur, quand euh, j'avais pensé de jouer euh, oui. dans la première saison. Euh, ouais, Prochaine fois, devant de, de moi de ça. Je lui a dit que son jeu Mega Man privé c'est le Mega Man X, oui. mais c'est pas le meilleur. Non. Mais c'est son préféré parce que c'est sa nostalgie Pour moi, parce que j'ai grandi gros avec euh, X5, X6. C'est pas les meilleurs, mais j'ai adoré X5, X6. Mais tu sais, si je dirais le meilleur que j'ai vu, mm. ça serait X4 pour moi. Pour moi, le meilleur, c'était X4. Mon préféré, c'était X5, X6. C'est complètement différent. Tu sais, c'est comme Miyamata X-Command Mission, qui est un RPG est game, Il était sur PlayStation 2 puis GameCube. adoré X-Command Mission. C'est loin d'être Non. C'est loin d'être covard. Tu as l'air de dire que tu le prends personnel. <laughs> non, 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 non. C est, c est, moi, pour moi, c'est un bon jeu. Mais ils ont juste voulu faire un RPG avec Megaman Man faire du cash à quelqu'un. Oh, ouais, ils savaient cool. pas ce qu'ils voulaient faire puis euh, ils ont ce qu'ils... T'sais, avec Megaman X7, on s'entend dessus qu'il fallait qu'ils remontent une méchante pente avec qu ce qu'il y a eu, parce que X7, euh, ah, euh, euh, ça n'existe plus. Euh, bon. C'est de la ouais. c'est x 8 je l'ai aimé. x 8 surprenamment, moi aussi... Mais c'est pas bon. Ouais. C'est vraiment le moins bon de la gang. Ben, les X, ben, c'est pas le moins bon. Non, non, ben, non, les le... Non, il existe pas, fait qu'il compte plus. Okay, le <laughs> le moins bon. Mais j'avais aimé mon oui, ai aimé expérience. Oh, oui, j'ai aimé l'expérience. Mais tu sais, si tu y repenses, si tu rejoues à X, X2, X3, tu fais comme, oh, t'es pourri. Mais non, c'est vrai, on a oublié un Megaman. Soccer? Mais il est pas dans les. <rire> yes! <laughs> ah, c'est t... J'ai adoré jouer à Megaman Soccer, c'était tellement drôle. Quand oh, tu oui. pouvais faire le special move, le gars il était comme, Hein? Tu brûlais le goleur avec Flame Man et qu que C'est l'ancêtre de, de Mario Soccer. Euh, techniquement. Oh oui, techniquement. Ok, ok. <laughs> mais là, <laughs> tu parles du Lord de Megaman. C'est ça. Puis là, comme je disais, t'as pour finir sur. Tu sais, as Megaman, ouais. le Lord, tout le kit. Puis comme je disais, l'informatique, on ont sur Battle Network, qui est un excellent RPG, qui a beaucoup de texte, beaucoup de lore, parce que c'est un RPG. Automatiquement, t'as ça. Fait que ben, c'est tout des affaires que tu vas pousser plus loin avec qu'est-ce qu'il y a. Puis. Après ça, tu as eu Star Force, le monde, fait comme oh, mais il n'y a pas de lien avec Star Force, puis Battle.net oui, il y en a un, mais c'est des années plus tard, parce que c'est le système informatique, mais là, c'était des aliens qui venaient de le... en tout cas c'était une espèce de patente, de bizarre, là, fait que... Mais au gros final, le lore dans un jeu, s'il n'est pas directement dit, des fois, c'est le fun de pousser plus loin par toi-même pour curiosité, l'apprentissage, puis de... Du world en tant que tel. Ouais, ah, ça, moi, je passais une jump. Mais <laughs> c'est pareil comme je disais, ça vient clair avec les souls avec, t'sais, comme on disait. Oh, oui. T'es pas obligé. Mais quand tu te mets, comme moi, j'adore les Dark Souls, Demon Souls. T'sais, mon premier, ça a été Demon Souls PS3, je l'ai fait avec tout le monde qui c'était dur Dark Souls. Regarde-là, j'ai fait Demon Souls PS3 mm, rien vu. quand ça a sorti, j'ai déjà tout passé. Oh, je les ai ouais. toutes faites, puis euh, Demon Souls, c'était rough. Là. Mais quand tu lis les items, tu fais comme. Ah lui, ça vient de ça. Puis là, tu fais des liens avec c'était qui le first euh, le, le first fi, le first kin, le si. Là tu fais comme Ah oh, t'as boy que tu stock! Fait que tu sais, c'est comme à, le, dans, dans Dark Souls, Artorias avec Sif, le, le, qui était le gros chien, mm. Artorias qui était le, 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 le Knight, Puis là tu fais, tu fais tous des liens, tu fais comme OK. Je me souviens plus du, le, 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 le créateur du jeu, de la série, là, parce que j'ai. Tu fais un troll, bah ben, c'est un intelligent, là, de, de, de monde, c'est fou ouais. comment oh, que le monde ouais. est... Tu sais, c'est comme, tu joues à Dark Souls 1, puis t'arrives à Orlando, tu fais comme « Man, méchante belle place ». T'arrives à Dark Souls 3, tu vois à Orlando, tu fais comme « Wait a minute! »« Je suis-tu dans le même monde ou non? » Tu vois, moi, justement, je me rends un à vous parler, dans les invités. Parce que moi, quand je joue, là, je remarque pas ça faire. Moi, je suis très... Tu sais, je mets que je peux me considérer comme un casual gamer. Ah, mais... Parce que moi, juste, j'ai tout le fond dans tête, tu tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais à des RPG, ouais. j'écoutais pas l'histoire, je m'en tu sais, je voulais juste les, les combats puis le fait puis les boss puis au ouais, début c'était ça avec Toutes si les lore à faire demain, ça m'a... Ouais. Tu sais, à moi que tu me donnes une histoire puis on dirait que ça je veux pas me forcer, une histoire, je me répète comme Spider-Man ou ce que c'est une narrative pendant que je joue ouais. God of War, Horizon, ces affaires là. Là, Mais là quand je commence à aller ben j'ai comme disais tantôt là, sidetrack un peu de Ouais non là. Mais c'est ça puis c'est tu sais, c'est pas pour tout le monde puis en même temps, c'est pas juste à toi et de. Tu sais, qu'on qu dit ça, puis c'est tout le monde en général. Parce que tu as du monde qui ne vont pas pogner un jeu à cause de ça. Prends, mettons, Near Automata. Mm. Le monde va jouer à Near Automata. donne moi le nombre de monde qui, qui connaissent ou qui savent que le jeu a 26 fins différentes. Il ben, n'y en a pas beaucoup parce que ouais. le monde ne check pas. Puis c'est ça qui est le fun quand tu arrives à pousser sur un jeu. Tu te dis, Colin, ils ont pensé, ils ont mis du temps. Pourquoi, oh oui. pourquoi je n'essaye pas? Tu sais, tu joues à Near Automata. Là ça te dit Ouais, oh, faut pas que t'enlèves ton corps, sinon euh, tu vas comme euh, mourir. OK! T'enlèves le corps, game over, t'as une fin, tu fais comme... Non, la fin de la pilote, c'est le poisson. Right. <laughs> Écoute. À côté du barrage, de la barricade, C'est juste tellement drôle qu'ils te mettent des fins. c'est pas juste en tant que lore, mais tu sais, c'est toutes les petites affaires dans un jeu ou dans, dans, dans du texte ou dans des trucs que tu fais comme c'est le fun d'avoir, c'est le fun d'aller pousser plus loin. C'est des que... extras qui sont inutiles. Mais qui, mais sont qui le fait fun. que le jeu fait différent des autres. Puis c'est ça que j'aime. Je parle de mais en même temps, comme tu viens de le dire, des extras. Des extras mm. dans un jeu, jeu c'est le fun. c'est le fun de, 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 des fights, c'est le fun des de voix, c'est le fun de tout le texte. Puis tu sais, je vais arriver avec les, les, les trails, là. Puis je peux pas pas parler à un NPC dans cette série-là. Aïe, Écoute, quand. Hey, toi, quand tu joues un jeu, c'est un projet. Faut que j'embarque dans le jeu, puis de plus en plus, je me dis, j'essaie d'embarquer dedans. Tu sais, je vais jouer à des jeux parfaits. Puis là, si j'aime vraiment le jeu, si j'aime pas le jeu, des fois, je pousse moins. Tu sais, c'est standard. je fais ça à des jeux que j'adore. Il Mario, Zelda, Xenoblade. Les Xenoblade, là, t'as encore en affaire. T'as Xenoblade Chronicles 1, 2, 3, t'as Xenosaga, t'as Xenogear. Mais ils sont tous liés. Le monde font comme... Ben oui, ils sont tous liés à cause d'une entité dans Xenosaga qui était le, le, le scientifique qu'on voit dans Xenoblade qui a fait « Je vais pincer sur le piton qu'il fallait pas. » Il a tout fucké. Mais pourquoi il a réussi à mettre l'entité qu'il appelle le Zohar dans Xenosaga qui était là, comme une espèce d'entité extraterrestre? Hein, là, j'en avais longtemps. Là, là Je ne vais pas pousser trop loin. C'est le scientifique qui a fait « Hey, je vais essayer de le faire fonctionner. » Il a tout chié c'est pas nous on est, Xenoblade est arrivé. Un, deux, deux walls séparés avec le 3 éventuellement, pis Xenosaga on n'a plus jamais entendu parler. Mais, comment qu'il a mis la main sur le Zohar, on sait Tu vois au moins qu'est-ce qui est... On va leur donner, mettons pour dans le cas de d'Xeno... Ouais. Qu'est-ce qui peut être difficile c'est quand tu fais des lore vraiment connectés comme ça, mais quand même que tes franchises sont indépendantes l'une dans l'autre. Parce que plein de monde qui ont jamais fait Xenosaga ou Xenogear, non. mais ils ont quand même réussi à embarquer sur Xenoblade. Ça revient un peu aux trails. C'est ça qui est comme dangereux. Comme le riverie qui est sorti à date de l'enregistrement la, la semaine pas passée. Tu peux pas faire ça si t'as pas fait les autres. C'est ça qui, qui est dangereux est ça, quand ça tu dangereux. fais un gros univers ouais. connecté. C'est à quel moment. Tu sais, ça aussi dans les BD, ils font souvent des re d'univers. De, Parce que monnaie c'est comment oui. que les personnes qui veulent embarquer. Tu sais, comment tu peux embarquer dans Spider-Man quand, quand t'as 300 ouais. numéros en arrière. Pis, mais là, sort un nouveau ah, dans un autre timeline ou un autre bien, où, Souvent, euh, qu'est-ce qu'ils font? c'est... Qu -ce que, parce que là, depuis euh, peut-être deux ans, là, je abonné à Marvel Ultimate. Fait okay. que là, j'en lis beaucoup plus des, okay. des Marvel. Puis souvent, c'est comme. Comme là, là 22 semaines, tu as un nouveau, une nouvelle série de Spider-Man qui est sorti, Mais ça reste quand même canon quest ce qui est sorti avant. Mais pourquoi en plus, Spider-Man 1, c'est quand même que tu peux commencer l'histoire là? OK. Fait que ça, c'est bien. Fait Ils n'ont pas revampé l'univers. Mais là, tu peux dire, regarde. Parce que moi, à un moment donné, je voulais lire Spider-Man, mais déjà, OK, on est rendu à numéro 86. faut que je ne pas les 85 en arrière. <laughs> mais là, à un donné, on commence un, un nouveau, une nouvelle semaine. Ah, oh, Spider-Man 1. Oh, yes! Il, il, il repart une nouvelle série. Là, je suis là, puis à jour. Puis, tu sais, quest ce qui est gros, cool, c'est que des fois, quand ils font des, il des illusions, ouais. ils essaient d'expliquer à un public ce qui s'est passé. Fait que okay. là, même si j'ai pas lu la dernière série. T'es quand même à jour. Je, là, je peux me euh... mettre, puis là, genre, je suis pas trop fucké. Ouais, fait que ouais, là, je peux dire. Ouais, mais ouais. ça, faire des jeux vidéo avec un gros univers ah, comme ça. Parce que la BD, l'avantage, c'est que la BD, tu lis ça en 10 minutes. Ouais. Mais ton jeu vidéo, là, c'est des heures. Quand, quand surtout euh, quand c'est un RPG comme les Xeno, par exemple. Les Xeno, les trails, puis, tu sais, Xenoblade 1, 2, 3. quand tu, Moi qui fais tout le temps les side sidequests, qui lis tout, toute la kit. Tu sais, c'était. Pis, 90 cent heures, là. Surtout qu'est-ce qui est bitch avec les trails? C'est, Mettons, là, quelqu'un vous dit Ah, je vais acheter riverie. »« Hé, t'as-tu fait des quatre avant? Non. non, 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 pas les quatre autres. Les neuf autres. Ah, tabarnak. OK, <laughs> juste pour le, le, la conversation, on dit, on dit les quatre. Puis il dit Ah, ben non, ben, je vais les acheter les quatre. OK, ben trop vous libre, ça va coûter 300 pieds à chaque. Je dis je demande là, mais c'est ça qui est comme poche. Euh... Fait que n'importe qui qui, qui, ouais. qui qui veut commencer riverie, ben non. Ni, ni ça, hein, pas une, ni pas du Software, ceux qui ont dit ça, ils ont un méchant gros problème, qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils en sortent plus, puis la série. tout ça qu'il y a un problème avec le, le 1 et le 2 sur PS4 qui sont excessivement chers. Il faut que tu trouves juste la boîte, puis tu es correct. Mais c'est de trouver toutes les autres, parce que le monde, le monde veut Cold Steel 1, Trails of Cold Steel 1 et 2 sur la Switch, mais ils appartiennent à Exceed. Ils appartiennent pas à Software. C'est pour ça qu'on les a pas sur la Switch, puis le monde mmh. font comme Moi, oh, mais je voudrais jouer. Trouvez-les PS4 trouver les sur sinon faut que t'es pas à Ouvert ou on paye toujours le digital. Ben c'est ça, tu as toujours le digital mais tu sais c'est le fond des arts physiques. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Tu sais c'est ça les Mais ouais mais c'est pas juste une question d'argent, c'est une question OK. fait que là pour jouer ce jeu là, faut que je mette 500. Mais Mega Man. Ouais. Ah Ouais parce qu'on a fucking dérapé. RP. Non c'est on va. OK, là tu as parlé beaucoup du lore de Mega Man, mais pourquoi tu as préféré Star de détails... Battle Network, mais pas Star Force. Non, Star Force j'ai aimé, mais mon gros, c'était Battle Network. Ça a été... Pourquoi lui? Parce que j'étais pourri à Megaman X. OK. Puis les plateformes, au début, j'avais zéro intérêt. C'était pas mon affaire à part Mario. J'étais pas dedans, pantoute. tout. Puis là, ça... Mais, mais moi, j'ai toujours aimé les robots. J'ai toujours aimé les mechas parce que mon premier animé, c'était Gundam Wing. Ça a commencé là. Écoute, <laughs> j'ai encore le thème dans la tête, puis euh, j'étais comme... Ouais. Fait que... Exactement. Puis, euh, fait que là, je vois ça, je fais... Ben, il, il est cool. Fait que là on demande un cadeau de fête bon ouais, ben je veux ça Battle Network 1 va à jouer c'est un RPG mais là c'est cool c'est comme t'as des battle chips tu ouais. fais des combinaisons avec les chips t'as les ennemis t'as la vie tout. puis là je connais tu sais je commençais à comprendre l'anglais un peu fait que je joue mon frère embarquait après mais c'était tout c'était cool le premier de les, les c'était surtout les boss que j'aimais tu sais les boss t'étais voyais dans mettons Megaman X mais tu sais souvent c'était tout petit puis tout mais là je trouvais qu'il était plus comme une version humanoïde dans dans, dans bien, la de -tour, plus vivant tu vois Flame Man toi ben ouais Flame de grosse flamme les deux gros Flame Trauers c'est le méchant il brûle les genre comme pense qu'il brûle l'école genre dans le 1, puis là t'es comme OK, euh, le petit bonhomme de 12 ans va aller sauver le ah, monde. Parce que ça, c'était pis... des virus qui pouvaient affecter parce que tout le monde était connecté. C'est ça, c'est conne... ça le, le, la différence parce avec le VMA. C'était connecté sur le net. C'était tous le, ouais. le, le, les net-navis. Ouais. Le, le, pour ça, .exe, le l'executable. Puis là, chacun avait, avait puis il y en avait qui étaient méchants. Tu sais, t'avais ton net-navi, mais c'était l'opérateur, c'était lui qui disait qu'est-ce que tu voulais faire. Ben là, je vais t'arriver. Je m'en dire un, un gros punchline. Ça va être un spoiler pour ceux qui voudraient jouer à Battle Network, mais je n'ai pas le choix. Fait que spoiler incoming. <laughs> je vais le mentionner. Fait que. Euh, mais là, je trouvais les boss cool. t'avais Leckman, Woodman, Iceman. Mais tous les boss. Tu sais, c'était pas comme mettons, euh, Megaman X, que t'étais dans la stage glass, un stage de glace, t'as un stage de glace parce que le boss t'as de la glace. Mais là, t'avais le story. Puis là, il se passait de le gars est en tabarouette. Là. là, il dit Quel gars? Fuck it! Non, mais les méchants dans, okay. dans il tous les opérateurs des Net Navis, ils étaient comme Fuck it. Hey, tu vas tout geler. Fait que là, il est comme Iceman, va dans le net, va-t'en dans telle area, gèle mais c'est parce que ça, ça gêne le net, mais le real world en même temps, ça affecte les deux. Fait que là, je trouvais ça cool. Puis là, tu le battais, puis tu son chip. Fait que là, bien, tu l'avais avec toi, et puis il y en a qui devenaient gentils, il y en a qui étaient encore méchants. Puis bien sûr, tu avais le dernier boss qui était Willy, avec le live virus. Puis là, j'étais comme, oh, mais le dernier boss, quand je me suis rendu compte, là, puis j'étais comme, t'as okay, pourquoi je fais rien? Fallait que tu breaks sa barrière pour après ça, il faire mm. J'étais comme, il y a un challenge. J'aimais ça, le challenge. Puis t'avais les chips. Les boss fights, tu pouvais les réavoir parce que tu t'es rencontré, mettons, euh, le, le plus dur de Megaman Battle Network 1, pour moi, c'était Sharkman. Tu l'as rencontré. Non, une place. Ta soeur a dit la a la même affaire. On a alors. tout rushé à Sharkman. On a tout rushé à Sharkman. C'est parce qu'on est allé voir un, un orchestre de, de, de Xenoblade Chronicle 2, puis en s'en allant, on parlait de On a parlé de ça. Okay. Fait que, on a tout rushé contre Sharkman, puis là, on le retrouvait, puis là, pour avoir son chip, il fallait que tu le S. le 10 ou S-Rank. Hey, c'était tough en ta Mais là, quand tu l'avais, t'étais comme Yes! Mais Toutes les boss c'était ça. Moi, je vais te faire ça simplifié à l'os. Ouais. En gros, je pense pourquoi je oh, me ouais. trompe. Tu as plus référé les Ballons Network parce qu'au final, tu aimes juste mieux les RPG. Oui. Point final. Moi, je une... C'est sûr que je suis un fan de RPG, on, on, ça l'aide, Tu sais, C'est comme... C'est pas tant que le jeu est meilleur, la franchise meilleure, est meilleure, ce c'est le style de jeu que tu préfères. Ouais. Ouais. Comme moi qui aime mieux les plateformes que les RPG, c'est sûr que je vais être plus tenté à jouer à Megaman. Mais c'est parce que je, je suis quelqu'un qui aime quand il y a de la lecture pour le lore. Tu sais, quand tu jouais à Megaman, ouais ouais. c'était souvent, tu arrivais, tu voyais juste à me tomber vile, faisais comment Megaman, je vais te péter la gueule. comme, OK, ouais. mais tu viens de où, tu sors de où, tout le kit, qu'est-ce que. Mon genre de jeu, ça. <laughs> moi, j'étais comme, dumb, basic, basic. C'est pour ça que Final 6, j'adore le texte. Tu sais, Final 7. Mais même... comment s'asseoir, là? Même, à... fin, même Final 8, que c'est mon moins préféré. Quand tu y penses, tu fais comme c'est vraiment vers la fin que je trouve l'histoire à vraiment gros puis tu fais comme OK, il a fallu je me rendre là. Quand tu arrives à la fin, tu fais comme OK, là c'est cool. Mais pour moi, il fallait tout le long du début jusqu'à la fin, c'est comme. Puis à ton opinion parce que dans le fond c'est pour ça que je voulais, ouais. c'est pourquoi dans le temps le monde crachait sa franchise Megaman Ballon Network, juste parce que le monde était en crise que c'était pas la même affaire. C'est quoi ton opinion là-dessus ça reste aujourd'hui le même genre que le monde vont chialer sur Final Fantasy VI qui est plus un turn-based. Que Final Fantasy est plus un turn-based, mm. que c'est rendu que le monde vont appeler ça Devil May Cry. Ça fait C'est des fans, moi j'appelle des, des, des gros fans qui veulent pas de changement. T'sais, eux autres faudrait que ça soit tout le temps la Mais ils vont même si ils affaire. Tout le temps, tout ouais. ils vont chialer. Prends, le fait, mettons là comme moi, comme je dis, mettons prend Final Set puis le monde vont triper sur Final Set, bla bla bla. Là, il y a eu le remake, là, c'est un reaction. Le monde fait comme Ah, c'est pas Final Set, parce que c'est pas du Turn-By-Turn. Hey, c'est Final Set, c'est juste montré d'une autre façon, fan-toi là. Mais tu vois, là, deux, trois semaines, j'en ai parlé avec une grosse conscience avec un client que lui, il disait, c'est ça, genre Ah, c'est pas comme avant, nanana. Moi, j'expliquais, malheureusement, c'est une business. Puis les tours par tour, c'est pas rentable. C'est plus. Le monde n'a plus le temps. Notage n'a plus le temps aujourd'hui. Comme j'expliquais, je pense, avec Dave, que les jeux sont de plus en plus demandants financièrement. Oui. Fait qu'il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Oui. C'est bien beau de dire que c'est des artistes, mais il faut qu'ils mettent la, la nourriture sur la table à leur enfants. il y a une autre chose aussi. Mais attends. Oui. Final Fantasy... Tu sais, des oui. c'est niche. Quand même. Très même niche. si tu me dis que c'est Final Fantasy, c'est niche. 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 Ils font pas d'argent avec ça. Ben, moins. C'est ça que souvent les RPG japonais, tu vois clairement qu'ils ont pas de budget. C'est parce qu'il faut qu'ils fassent un jeu pas de budget parce qu'il faut qu'ils rentrent dans leur argent le plus possible. Fait que on ne peut pas leur, chicaner Square Enix d'aller dans une autre tangente parce qu'il faut qu'ils mettent le jeu le plus mainstream possible. Parce que si, exemple, il y avait, avait resté full base turn, deux choses seraient arrivées. On aurait la qualité qu'on a comme fanon 16, mais là, ça aurait coûté trop cher versus l'argent qui est rentré et ouais. il aurait perdu de l'argent. Ou il aurait baissé la qualité pour pouvoir dire « OK, ben on a pas de mettre moins d'argent pour faire le jeu. » On aurait chialé parce que ah, graphiquement, on en prend tout le temps à mieux. Ça, ça c'est tout le temps l'autre affaire avec. C'est le monde qui chiale sur le graphique en me disant « comme oh, Le jeu de l'air d'un jeu de PlayStation 2. » OK, le jeu... Oui, mais toi, tu pour ça parce que toi, tu veux juste des high-quality graphics Tout avec des jeux qui vont être 8-9 heures comme God of War, des affaires de même, puis tu veux pas pousser plus loin. T'as le droit, t'as le droit, oui. t'as le droit. Oui. Final Size, il est beau bon en tabarouette graphiquement, puis le jeu, prend... si tu fais juste le story mode, là, tu fais pas ça, de quoi, ça rien, c'est un bon 25 heures. C'est mm -hmm. gros pareil. Mais le monde, il y a du monde qui sont... Je m'en allais dire, c'est aussi le, le fait qu'ils font moins de turn-by-turn turn dans des grosses compagnies. C'est que le monde qui faisait du turn-by-turn... Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, on, là, on est, on est rendu vieux, on est tout en trentaine, quarantaine avancée. On a des jobs, on a des kids. Ah, ben oui. On n'a plus le temps. C'est un excellent point, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, là. Un jeu, là, pour bien des compagnies à cette heure, là, il faut que ça fasse 15-20 heures. Merci, bonne journée. Ouais. Pis Ou si tu ouais. fais un jeu de 100 heures, il faut que ça soit dumb down pour des Graphiquement, gens. Graphiquement, puis ça, ouais. comme on dit, c'est là que ça va tomber niche. Les Legends of Heroes, les Trails, c'est exactement ça. C'est des longs jeux une petite communauté mm -hmm. qui adore, qui vont adorer la série, il y en a tout le temps qui vont chialer, les oui anyway, c'est n'importe quoi. Mais tu verras pas quelqu'un qui est méga fan de Final Fantasy embarqué là-dessus. Tu ne verras pas quelqu'un qui veut qui joue à des jeux qui durent 10 15 heures tout le temps embarqué là-dessus. Jamais. Non. Tu vas arriver, tu vas y dire euh, ah, il est tu long le jeu. Si tu veux vraiment comprendre l'histoire, mets 70 80 heures par jeu. Turn off, suite, fini. oui. Oh, Mais c'est ça c'est pas pour tout le monde puis c'est là qu'il faut des fois, comme, tu sais, que moi, quand je parle des trails, je pousse un peu plus en disant au monde, ça vaut la peine. Si tu prends un mois pour faire le jeu, prends un mois pour faire le jeu, mais la série est bonne. Bon, on parle de trails, d'abord. Je te parle de trails. Non, pis, viens, Là, viens, tu vas ouvrir la porte. Écoute, puis là, c'est sûr que j'en ai bien stock parce que c'est. Toi, là, OK, en partant, juste mettre en contexte, chaque trails, tu as combien de copies de chaque, genre? C'est débile comment que tu dérapes. J'ai une copie de chaque. J'ai des Sealed, j'ai les Collectors, j'ai les jeux en japonais, il m'en manque quelques-uns. Euh, j'ai pas les versions chinoises, il m'est faux avec. Euh, les faux. <laughs> il faux! Pis, là, il m'est faux. Puis là, je dis que 10 Trails Rivery, Rivery vient de sortir, je ne l'ai pas emmené parce que j'ai euh, pas encore le collector. Merci euh, Nippon et Petit Software de prendre le Ah, ben t'as ta copie, son ouais, arrière quand ouais, même. Ouais, je ne, ne l'ouvre, Ben c'est que je vais la garder sealed. Fait que c'est ça. Fait que euh, <laughs> ben, je le jeu, je l'ai sur Steam. Honnêtement, je je, ouais. je, les ai, je les ai même toutes sur Steam. J'ai toutes les Sky, toutes. Mais là, je dis qu'il y a 10 jeux, j'ai déjà fait le 11e. Parce qu'il y en a 12 présentement des jeux. Oui. Puis là, je... là ce qui est drôle, parce que t'as ça, là je dis 12 jeux, mais c'est passé tout dans le même univers. Tu peux pas... <laughs> oui, monsieur. Ok, oui. Là, là, tu m'as fait embarquer dans quelque chose, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Dave, on est a combien de minutes, là? 50. Ok, on va faire deux heures, ça va. Mais... <laughs> je vais pas te faire deux heures, mais la raison pourquoi je dis que j'ai déjà fait le 11e, c'est parce que le dernier qui est sorti, qui venait de sortir, le Trails into Reverie. Re, quand j'ai fini Trails of Cold Steel 4, j'ai fait. Holy shit! Yeah! Ok, attends, okay, attends, attends, Ok, Là, on va. On va commencer du début. Mais. Ouais, c'est ça. On va commencer mais... du début. Non, mais attends, je veux pas que tu me parles du début de la franchise. Non. Toi, où commencé où, comment pourquoi? J'ai commencé avec Trails of Cold Steel 1 sur la PS3. Sur PC? Non. PC. PC parce que. Il sont avoir le p 3 Non, 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 non. C'est les premières versions. C'est déjà fait. Ça c'est. Ça, c'est les P versions à jouer. J'aurais dû me coucher le plus bonheur avant, sachant que tu venais aujourd'hui. C'est les P versions à jouer, je les ai juste parce qu'il y a collection, oh, tout le kit, ouais. puis j'ai les cherche encore scellés. Fait que, bon, tu les cherches en eux autres scellées. Ouais. Good luck! J'ai les versions, excuse, mais j'en ai un de PS3 pogné du site, du 2 et du 1 scellé. Le collector en plus de tout ça. Ah, on est hâte de même, ça. On est, Vous êtes hâte de demain? Mais toutes mes traits, à part euh, ce qui vient de Nippon ici directement, le stock vient tout du OK. Fait bon, euh, okay. Là, début... le pourquoi pourquoi chercher un jeu à jouer. Puis moi qui est un fan des RPG, toute l'équipe je le, les a pas les hey, Là, je vois ça sur Steam. Là, je fais comme c'est quoi ça Check le trailer. Mais là, je fais comme un ah, trailer, Steve, je m'envoie sur YouTube. Il y a deux trailers, tu as le character trailer, tu as l'opening trailer. Je mm -hmm. check ça, je fais La musique est bonne. Déjà ouais. là là, l'opening là c'est japonais. Très, ben je dis très anime japonais. japonais c'est très anime très japonais. J'adore ça. Fait que là je fais comme les jeux de cartes avec tout nus. Non, sont pas tenus. <laughs> Sun si je... and Gang. Euh... <laughs> ouais. Shadowverse, si... tu sais que c'est pas qu'on quoi parle. Ah, il n'y a pas juste ça. Fait que. Euh... Puis. Euh... Rambac, <laughs> moi, pas dead. dedans là. Voilà, voilà. <laughs> ouais, On va se faire ouais, le collif... Bon. Fait que là, je vois le premier trailer, puis là, je bon. fais bon. comme, OK, cool. J'achète le jeu. Je check le character trailer, je vois comment c'est, je suis OK, j'arrête ça là. Je check pas le character trailer, je ne pas savoir, mettons, ce que vu Je commence. Cold Steel 1. Là, ça commence. Ça marque, ça marque pas Prologue, ça marque une année, une date. Puis là, la première scène, c'est. Il y a des tinks, t'entends des booms, il y a des. Y a ça shoot. Là, je fais comme. La musique en parle. Puis là, là je peux même nommer le thème, parce qu'il y en a qui veulent être checkés. Le, le thème opening de Cold Steel 1, c'est Atrocious Raid. La tune. On a-tu le droit de, de le mettre dans le podcast? Non. OK. Monde, <laughs> ils iront écouter ouais. ça. Toutes les tunes de Falcom sont toutes sur YouTube. Sur leur channel ou d'autres, ils ont toutes. J'entends ça, je fais. OK, la toune, c'est important pour moi avec dans un jeu, OK. Ben oui, oui. Puis là, je vois juste comme du monde coré, tu sais. OK, ils s'en vont dans une grosse base, toute l'équipe. Là, tu commences, tu vois juste comme il y a des corps, puis il en avait mieux un petit peu de sang pour le faire. Là, ça commence à jaser. Tu sais, graphiquement, ce pas fantastique. Tu sais, c'est pas du gros fantastique. C'est japonais. Mais il est sorti quand, ce PC? Ça fait une coupe d'années, là, de ça. Il est sorti avant le P3, tu dis. Non, 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 P3, ça a été sa première version. Ça, okay. ça, ça a été la première version qui est sortie. Après ça, on a eu la version euh, sur PC, puis après ça, il est sorti sur PlayStation. Ok, ok. Fait que je sais quand il s'est sorti. Okay. C'est ça. Puis Et même là? moi, parce que, excuse-moi, oh, je l'ai fait. Euh, J'ai fait une partie de Call of 1. Ok. Euh, puis fait que je sais de quoi l'histoire parles Puis même moi, j'avais trouvé, oh, graphiquement, si on compare à d'autres RPG de ben cette génération-là, c'était pas super beau. C'était pas. Fait que comme y un pas en arrière, c'est top. Mais c'était c'est ce qui, ce qui catchait. Moi, c'est ça, expliqué tantôt. Ils ont projeté un pas en arrière parce qu'ils savent qu'ils en vendront pas. Ah. Ils en vendront moins. Fait qu'ils n'ont pas choix de faire un downgrade les graphiques pour rentrer dans leur course. Pour rangement. ici, hein, au Japon, c'est super populaire avec. Mais tu sais, pour le côté western, on sait tous les Japonais RPG côté western, ça passe tout le temps bizarrement. Ouais. Fait que c'est animé, c'est pas euh, c'est oh. pas, pas Skyrim, c'est pas. C'est soit les niches intenses qu'ils ah. ou ils font ça mainstream le plus possible pour qu'il y ait le plus de monde qui ajoute possible. Puis là, je commence qu'au steel learn, tu dans la base, tu es, es là, tu genre comme, si es, c'est pas en deux teams, puis là je vois comme, ok, tes personnages, mais tu sais, tu sais pas vraiment le nom, tu sais pas c'est ah, qui... Ouais. Le fight commence un tour par tour, là c'est un petit tutoriel, il explique tout le kit. Puis là tu arrives au, euh, au boss fight, à la fin, parfait. Puis là, tes bonhommes ont des habilités spéciales, toute le kit. Puis là je vois les animations, je fais comme, ok cool, il y en ont plusieurs, y a plusieurs, il y a des espèces de spells, des... des ben, je fais comme, ok, les détails sont cool. Mais là... Le prologue finit, ben ça c'est le prologue. Puis là, il finit, qu'il y a deux espèces de gros railway cannons. là, ils font juste comme commencer à s'activer. Je fais comme, oh shit, ça commence, raf, là. Puis là, t'as juste le personnage principal, Rin, qui fait comme, "Non!" black screen. Excusez pour le claquement, black screen. Puis là, pouf, tu te réveilles comme t'es dans un train. Tu fais comme, what the fuck, c'était le prologue. Ben, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais comme, non, 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 j'arrête pas de jouer. Là, ça, là ça a commencé. C'est ça que j'aime dans les RPG. Aye. Mais même pas genre dans des jeux. Ou est-ce que, tu sais, c'est pas juste ça, c'est parce que je me trompe pas de la fond, c'est ça va se passer plus tard dans ouais, le jeu. Ouais, 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 ouais. C'est ça qui est le fun dans un jeu vidéo, quand que, ils font ça, ils, le, le jeu commence comme plus tard dans l'histoire, fait que quand tu commences le jeu, t'es déjà au pied un peu dans un sens. Puis Fait quest ce que ça donne, ça donne aux joueurs, comme parce que surtout les RPG, c'est long avant de partir. Ah, euh, surtout oui, dans le oui, code oui, oui, trail, c'est Oui, 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 c'est oui, oui, long, c'est long. Fait, long, fait long. au moins là, ça donne le, le message au client, euh, au client, mais au joueur, ouais, tough, Stay with me. Ça monte. Puis mané ça va être hot. Ça, fait Build up. Puis ça, c'est mes même chose avec les jeux d'aventure. Tu sais, souvent, les jeux d'aventure, tu commences, puis là, tu as plein de power up Puis là, soit que tu retournes dans le passé ou tu perds tes power-ups. Ouais. Mais au moins, ça monte aux joueurs comme, hein, en ce moment, Faut tu si vas être oui. faible. Mais watch out qu'est-ce que tu peux faire plus tard? Fait que ça donne le goût au client comme Oh, j'ai hâte de me brand là. Fait que ça, c'est brillant en tant que narration, si on peut dire. Ouais. C'est vraiment j'adore quand ils font ça. Puis c'est ça, c'est ça qui me fait accrocher ces trails. Ils ont te, je trouve qu'ils ont tellement bien fait ça dans tous les jeux. Euh, surtout Cold Steel. Sky c'était différent. Euh, puis euh, Lui avec Crossbell, c'était différent. La série ben Azure puis Zero, ce qu'on appelle la, la duologie Crossbell, okay. c'est un peu différent. Mais moi, j'avais adoré ça. Ça commençait même, j'étais comme Je veux savoir ce qui se passe. Mais là, c'est ça. Les trails, là, tu vois, les personnages. Ouais. Voice acting avec. Ils ont, ils ont racheté du voice acting dans la version PS4, PC, qui n'y avait pas tout sur le Cost 3. Ils ont changé bien des affaires. Tu avais le mode fast forward. Fait que les bateaux d'animation sont plus vite. Tu peux les avoir au lieu d'avoir vraiment slow. Fait que ça, c'était cool. tu fais skipper les euh, mettons, les, les, euh, les skills qui appellent des crafts là-dedans. Tu peux les skipper. Mettons, tu le fais, tu skips, tu le veux une fois, puis tu veux juste comme fight puis tu tues les ennemis, go, that's it. Ok, gars, je te coupe là. Deux ouais. secondes. C'est parce que. On va faire ça simple. Les trails, c'est malade comme RPG. Ouais. Mais moi, ce que je veux que tu fasses, oui. c'est que tu m'expliques l'univers, okay. où c'est qu'ils sont connectés. Moi, c'est ça que je veux ça. savoir. Okay. Parce que je sais que les RPG sont. OK, l'RPG, je vais faire mon vendeur. Là, je te vois une Les Trails, c'est des astuces de RPG. Oui. C'est super laborieux, mais c'est même quelque chose de deep. Vous êtes prêt à prendre une concession contre des graphiques, mais vous voulez quelque chose de vraiment profond avec plein de gestion, des bons personnages, une bonne histoire, de la bonne musique. Trails, c'est extraordinaire. Oui. Le problème des Trails, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça que là, je prends en charge parce que je veux le guider vers ça tu pars comment en série? Où est-ce que tu achètes tes copies? C'est quoi les meilleures versions des jeux? Puis tu... Moi je veux. Mettons là ouais. que je suis millionnaire et je suis à la retraite. J'ai le temps de fa... j'ai du temps à veux. Moi, j't... là tu t'écoute. Trails, je veux commencer ça. Je commence par quoi? T'as plusieurs. C'est ça que je veux savoir! Il y a plusieurs façons de commencer. Non, 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 non. Ok, ok, non, non. Triste moi, a... je veux genre, il y en a deux. Bon. moi, je veux A à Z. Oh non, mais là, tu pensais que B, puis le T, Q, puis le C. C'est parce que il y a du monde. Ça. Y a... quand même. Non, le jeu, je veux plus. Il y, 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 y a du peur. monde qui ont peur, qu'il faut absolument qu'ils commencent avec Trails in the Sky. Pourquoi? Parce que... Trails in the Sky. Là, je là, j'explique ça. Trails ouais. in the Sky, c'est le premier, premier de, tout de toute là. la série, la série de. Euh... De, parce que de, moi, des là, des des m m quelque chose sur Recall. Cool. Puis, là, ça a l'air que dans un des jeux, tu es dans un train. Puis là, tu vois au loin quelque chose brûler. ça, ça se passe dans un autre jeu. En même temps, genre. C'est je... pas un train, c'est dans Cold Steel. Okay. C'est une base. Mais oui, parce que Azure et Cold Steel 2 se passent en même temps. C'est fucked up, ça. Genre, comme, oui. Ah, oh, il y a un feu là-bas. Ça se passe dans l'autre jeu. Oui. Je trouve ça cool, <laughs> ça. Puis, tu vois, dans lui, ce qui est fou, c'est qu'ils ont fait l'inverse. Dans lui, ils voient. Spoiler alert Vous pas Noé bon, <laughs> des... Ils voyent de quoi au loin puis que ça a sauté ouais. Là ils font comme Oh mais c'est parce que la base qui a sauté Est dans le, 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 le continent de C'est ambitieux de faire de... ça C'est des... le même continent Le continent qui s'appelle Zemuria Mais c'est des provinces La province de Liberl La province de Crossbell Et la province de de Cold Steel, c'est Erebonia. Mais là, dans... Oui. Dans la série de Crossbell, nos personnages voient le trou d'embase qui est dans Cold Steel, mais eux, dans Cold Steel, ils voient le trou avec, mais ils voient une espèce de arbre géant qui est dans cette ville-là. Les deux font comme... What the fuck? Mais ils peuvent pas intervenir entre un et l'autre parce qu'il y a des problèmes politiques dans le jeu. Fait que là, tu fais comme... Man, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce qui se passe. C'est okay, là, là, là que tout est coupé. coupé. Bon, okay. Là, le premier, c'est Trails là, in the Sky. Ça. Rapidement, j'explique l'ordre des jeux. Tu as Trails in the Sky qui est le premier. Après ça, tu as Trails in the, the Sky SC. Je veux qu'à chaque fois que tu nommes un jeu, ouais. tu me dis sur quelles consoles qu'ils sont. Oui, parfait. Trails in the Sky, il est sur PSP, il est sur Steam. That's it. As of now, ça veut dire qu'on va faire un port in moment donné. Il est porté tout. Si Exceed, ils font de quoi? Parce que ça appartient à Exceed encore. OK. C'est ça, le problème. Bon. Right, go. PSP, Steam. C'est ça. Le St deuxième. Trails in the Sky, SC. Second chapter, Steam. À moins que tu veuilles des versions avec un patch. Fat... Non, non. On moi, parle de qu au pas Québec, avoir. là. C'est ça. Steam. Là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, je veux commencer cette franchise-là où est-ce que je m'exagère? » Steam. OK. L'idéal des Sky, c'est sur Steam. D'accord. Le troisième, Trails in the Sky, le third chapter, Steam avec. OK. Ensuite. Là, c'est là que ça devient un peu mêlant parce qu'ils ont sorti les Ah, On commence à être mêlant? Oui. <laughs> Je vais y aller dans l'ordre chronologique. Après ça, tu as, as Trails to Zero, qui le est premier. le pas quelques... long. Ouais. Ça fait 10 ans que ce jeu-là existe. Mais pas, pas longtemps, premier, P4 Switch. Exactement. P4 Switch PC, c'est le premier de la duologie Crossbell. C'est quoi ça, une dualogie de Crossbell? C'est deux jeux. Puis Crossbell, c'est la province qui sont dans le jeu. Okay, excuse. C'est la... une trilogie, une quadrilogie, ouais. puis une duologie. Ah, OK. <laughs> mélangeant, hein? Non. Good. Non. Oui, c'est mélangeant. Mm -hmm. Fait que, t'as lui, c'est ça que je disais. PS4, Switch, euh, PC. Puis ensuite, tu eu. J'ai même pas encore ouvert mon collector. Trails <laughs> to, in, uh, to Azure. Okay. Fait que là, ils sont sortis il y a quelques mois. Ces deux-là, ils vont ensemble. Oui. Okay. Trails okay. to Zero en premier, Azure en deuxième. C'est le sequel de Zero. Ben oui, c'est le même passage, oui. Oui. Okay. OK. OK, 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 on continue. Okay. Puis techniquement. 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 Bien, techniquement. Ce qui est ça, ça se passe. Lui, il ne faut pas que je me mélange. Trail to Zero se passe après le troisième Trails in the Sky. OK. Là, on est dans, on est dans le timeline, on l est là. Ah ouais. Après, Azure, là, on est arrivé avec Cold Steel. On a eu Cold Steel euh, PS3, PS4, il n'est euh, pas sur Switch, il est sur PC. On a eu Trails of Cold Steel 2, même affaire. Après ça. Ça a changé. Après ça, ils sont arrivés avec Nintendo Software. Je vais pas montrer la boîte du 4 parce qu'il y a un spoiler dessus. Fait que, on a eu Trails of Cold Steel 3, Switch, PS4, PC. Ok. Mais tu sais, je dis, okay. tu dis y a un spoiler. Moi, je vois l'image puis euh, spoiler. De quoi tu parles? Le monde Moi, va voir un robot puis des des, des des personnages. Le monde va comprendre s'ils voient ça. Fait qu'il faut faire attention avec ça parce que. J'arrive avec non, ça. Non, mais. Non, mais si. Non, mais Chris. Oh, je peux ah! pas en pocher des spoiler! Quelqu'un qui a joué au 1. Ouais. Okay. Puis au 2, okay. qui va regarder la pochette du 4, vient de se faire spoiler. OK. C'est ça l'affaire. Okay. Si regarde Tu la pochette du 3, c'est correct. OK. Bon. Puis après ça, tu as eu Cold Steel 4, qui est euh, PS4, Sté euh, Steam, puis Switch. Là, tout récemment, on a eu Trails into Reverie, qui est le dixième jeu. Attends une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 Rivery. 10 Rivery. Tu me dis qu'il y en avait 12 tantôt. Oui. Okay, on, on en y a y y deux on... qui ne sont pas encore sortis qui sont Kurono Kiseki. Techniquement la traduction en anglais ça serait Trails into Dawn. Okay. Fait que puis Rivery, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Trails into Rivery, la bonne traduction ça aurait été trails, uh, trails to Beginning. Ça aurait été vraiment la traduction du Ajimarino Kiseki qui est le nom en anglais, la traduction complète en, anglais, en bon anglais aurait okay. été the Trails to Beginning. Fait que là, en les Cap Trails. Oui. OK, après ça, il y a Rivery. Oui. Il y a Rivery qui est le dixième, qui est la conclusion de toute cette série-là. De tout ça. Et le départ d'une nouvelle série dans le même monde. Bon, là... Okay. Bon. C'est mélangé, hein? Non, ben non. Tu as bien <laughs> fait ça. Là, moi, je veux savoir. Oui. OK. Pose des questions. Là, comme eux autres sont sortis récemment. Oui. Je peux-tu faire ces deux-là sans faire les autres? Oui. OK. Je peux-tu faire... Laisse-moi finir. Oui. Puis... Oh oui. Je peux tu faire cela sans faire les autres? Oui. Je peux tu faire ça sans faire les deux autres qui sont jamais sortis ici puis être quand même satisfait de juste faire celui-là. Moi mettons donc je suis un puriste là puis je veux pas jouer sur Steam. T'as des questionnements à fin de jeu? Ok. Fait, si tu veux vraiment t'es hardé dans l'histoire t'es mieux d'aller sur Steam pour chercher les deux autres. Oui. Ok. Ma question est un peu la même. Est-ce que je peux faire ces quatre là sans faire les autres? Non. Tabarnak. <laughs> tu peux. Tu peux faire ces deux-là, ouais. sans faire les autres. Okay. Mais tu ne peux pas faire eux autres sans avoir fait les autres. Où Ok, ok, attends une minute, attends. Continue, ouais. Ou, comme je recommande à du monde qui l'ont fait, qui n'ont pas été mélangés dans l'histoire de Trails of Cold Steel 3, mm. c'est de regarder un recap sur YouTube qui est foutument moins long que 70-80 ah, heures de jeu. Je vais te poser la question. Le recap, je l'ai moi-même regardé. Mm. Euh, parce que je les avais joués, je vous disais un petit recap pour le faire avant le 3, tout le kit. Tu vas regarder. Le recap est 3 heures. Ta, mec. <laughs> c'est quasiment moins pire que 80. Ouais, ça, c'est sûr. Ok, question. Bon, là, tu disais qu'on peut faire 1 et 2 sans faire la gang. Oui, graine, parce que... mais pour 3 et 4, il faut que tu fasses au complet. Ma question. Oui. Est-ce que. Je suis obligé ou c'est parce que toi, t'es vraiment fucked up sur le lore. Tu vas pas comprendre certains personnages. De quoi qu'ils vont parce parler Parce que des fois dans des jeux, t'as des gens un personnage qui apparaît, il dit "Ah, hey, je le connais ce personnage là", mais maintenant on s'en crisse aussi c'est qui. C'est parce que je vais donner juste un exemple. Ouais. Parce qu'il est dans le 3. Lui qu'on voit en rouge, là je te le montre à toi là parce ouais. que bon. Ouais, pas spoiler le monde qui va Non non, je non, non, pas. Jouer, pas. Ben... Lui on le voit dans Cold Steel 3. Ouais. Mais tu vas le voir, il va parler de ce qu'il a fait, de qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux jeux-là, des fois, le quitte, tu le kit, tu ne vas rien comprendre si tu ne fait. pas toi, En plus, ils sont forts sur l'histoire. Ils sont tu très forts sur l'histoire. Mais ça peut revenir à la fête BD de tantôt. Tu Exactement. Sais, comme, manier, je ne peux pas commencer Spider-Man niveau 70e soi... le, le ou whatever. Pas... Oh, okay, je comprends. Mais c'est ça, ça qui est gros problème. C'est ça que. Je... Ça, on était... Oui, j'étais un peu fan purée sur les trails, mais j'ai une ouverture. Dans le sens que. Quelqu'un veut vraiment commencer avec Costly 3, je vais dire, à fond de mon homme, tu comprendras pas bien les personnages. Ils ont parlé de quoi, ça vient de où, de quoi qu'ils parlent. Mm. Tu vas avoir du fun avec un RPG, tu vas, tu vas juste avoir son histoire de base dans lui, tu vas faire le 3 puis le 4, merci, bonne journée. Mais dans le 4, tu vas être encore plus mélangé. Parce que dans le 4, il y a genre comme à la fin, tu as le choix de genre 26 personnages. Parce que tous les personnages importants de Sky et de Crossbell sont dans le 4. Tabarnak! Oui, monsieur. C'est Ils ne veulent, veulent, si, veulent pas faire l'argent, C'est c'est Non, mais c'est ça. C'est ça que. Ils veulent peut-être. Si, admettons, ils ne veulent pas faire l'argent, il y a une affaire je suis bien content de Falcom. C'est qu'ils ont fait. Puis nous autres, on continue notre story. Ça, regarde, ça, ça, yeah, je taquine sur Ils ne veulent ben pas oui, faire ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais en fond, parce que les, les, les purs et durs ouais. sont présents. Ouais. C'est une compagnie qui n'a jamais dérivé de son objectif. Qui est c'est leur monde, c'est leur gros monde. C'est comme les YS, les YS là en gros là. Mm -hmm. T'as le tu sais le huitième qui est personnellement mon préféré la Dana, tu T'as eu le neuvième qui est Knox qui est plus tard. Puis là ils font le dixième mais qui est avant. Il est entre là, pense, YS, le prince et les, les YS, le personnage principal Adol c'est le même dans toutes. Mm. Oui. Mais c'est juste sur c'est mélangé la timeline. La timeline est mélangée parce que mettons, t'as le 1 et 2, le 3 se passe, mettons, avant le 5 et le 4. les timelines, c'est un trope pour genre connecter les affaires, c'est un C'est easy card dans le comparatif de C'est drôle de voir la of Donna le 8 pis là tu fais comme OK, c'est la dernière la plus récente aventure de Adol, t'arrives dans le 9, c'est une aventure plus tard. Là t'arrives dans le 10. Là on revient entre le 3 et le 4! the fuck? Ok, bon, mais c'est ce qui pang avec Falcon. Falcon ne okay. dérive pas de leur or origine. Fait que Trails, ouais. tu, peux faire, tu, tu peux commencer avec Trails, mais si tu peux okay. faire 3 et 4, tu vas être un peu dans la C'est ça. Là aussi, un gros résumé. Tu peux commencer avec Trails of Cold Steel 1 et 2. Ne fais pas le 3, regarde un recap ou joue aux autres jeux. Tu peux commencer avec la duologie Crossbell, pas de problème. Tu peux faire la duologie Crossbell, puis après ça, embarquer sur euh, sur euh, Cold Three Steel il y a des personnages que tu vas rencontrer que tu vas voir un peu dans Sky mais c'est pas poussé autant que qu'est-ce que Cold Steel 3 et 4 vont montrer avec le reste l'idéal ça reste des frères en ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 l'idéal l'idéal c'est de mettre 1000 heures, tu vas être là, Mais c'est là que, moi, j'ai trois, trois amis que je leur ai dit, ils ont fait Le 1, Coastal 2, ils ont regardé le recap, ils ont joué au 3, le 4, ils sont en train de faire Rivery, puis ils comprennent. Ils comprennent tout. Parce que le recap sur YouTube, les personnes qui l'ont fait, parce que je n'ai plus les noms de channel, mais uh, Trace in the Sky Recap, puis uh, Recap, oh, ouais. tes là, c'est les plus populaires et tout. Tu sais, c'est deux, deux. entre 2 et 4 heures, puis. Mais passé. il explique les personnages, qu'est-ce qui s'est passé, puis il skippe les, les boss fights, les ils il se concentre sur les personnages, oui, oui. sur les environnements, les areas, tout le cas. tu fais comme cool. Mais c'est ça qui est le fun. Fait que là, là je veux recap à la façon de domer, à la façon de domer. Tu m'as allumé, j'ai goût d'essayer. Fait attends une question avant. Dans les trois séries, oui. parce qu'on peut quand même trois séries. à ouais, prendre, trois le... à... C'est quelle la meilleure? Ah oh, oh, ouais, je viens de te. te euh, hey, man. OK. Je viens de te faire en deux, là. Vu que j'ai fait le 11e, Chrono, qui c'est qui, c'est rendu mon jeu préféré. Non. Des, des moi, trails. non, 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 non. Là, on non. parle de ça. On parle de on parle deux autres. Oui, oui, je sais, je sais. Je le dis à moi, mais je suis capable de revenir, de l'oublier. Là, je l'oublie. Je m'en viens là-dessus. Mon préféré, c'est Cold Steel 4. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. OK. Ah, la, 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 série. La, la, la série. La série. série. T'as trois séries. Bodaboum, boom, bodaboum, Crossbell. Sérieux, c'est sûr que t'aurais dit ça. Non, Crossbell. C'est eux autre la meilleure. OK. okay. okay. Tu me vas dire le pourquoi? C'est hard dans ces deux jeux là parce qu'il y a bien du gros up and down puis c'est la, la trahison down. des 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 okay, l'histoire est vraiment est ça, Rapidement là le personnage principal Lloyd Banning son frère Guy, il euh, Guy, ben, Guy Banning il est mort toute l'équipe, c'est un détective il suit sans des mais quand tu comment qui est mort le pourquoi de l'équipe tu fais comme holy fuck. Tu fais comme oh c'est pas pas tout à ça je m'attendais vraiment pas à ça okay. mais tout continue dans les deux les personnages tu sais le bag y a un, chaque character a un gros background dans Sky, dans, dans, dans Cold Steel, mais eux, je trouve c'est les plus intenses. Fait que moi, tu sais, le but, c'est vendre moi ça. Moi, tu as un client qui est dans le comptoir pis il me dit Hey, je veux embarquer dans une grosse épopée, mais j'ai je... moins de temps que c'était Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment ça oui? avec zéro J'ai dit Fais ces deux-là. Ouais. Va voir un recap sur YouTube de toutes ces histoires-là. De Sky. Pas lui? Tu vas vouloir jouer à Coal 1, 2, 3, 4, pareil. Le gars, il a pas d'argent pis il n'a pas de temps. <laughs> OK? Je dit « dis Fais ces deux-là. Ouais. Un re... écoute un recap de ces jeux-là, puis va faire rêverie, puis tu vas... La tabarnak, aide-moi un <laughs> peu, là, Chris. Je veux pas t'aider, mais c'est là que je dis! Comme je dis, je, vais, je, vais vendre, je serais capable de vendre ça à n'importe qui. Ouais. Je vais être capable de vendre le recap de Sky, de Cold Steel 1 et 2. Le 3 et le 4, il faut les faire. Parce que le 3 et le 4, les scènes, la fin, les, les événements qui se passent, un recap ne te fera pas le même effet. Okay. Parce que la fin du 3... Okay. La... La fin du 3, là, je me souviens, j'avais pris une semaine de congé pour faire le 3. Je l'ai fait en une semaine, là, je n'avais pas Mais arrêté. Là, bon. La fin, je ne m'y attendais vraiment pas. Puis, je l'ai fini à 3 h du matin. Je trava... je... C'était le dimanche, je retravaillais le arrêter, lundi. Là. Je travaillais à 6 h 45 le matin. Mmh. J'ai fini à 3 h du matin. J'ai skippé toutes les dernières et demie pour arriver au boss final. Le final fight m'a pris une heure. Fait que là, je fais comme, OK, la fin, j'avais à, à la terre. Puis, toute la journée à la job, j'ai juste pensé à ça. J'ai juste pensé à ta barnaque comment ça commence. Euh, Est-ce que les, les sont difficiles à jouer Non, 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 non. non c'est RPG très simple. C'est RPG tour très par simple. Tour, rappelle, tour par tour, je me rappelle. Tour par tour, c'est très simple à comprendre. Les skills c'est simple à comprendre. Les, tu te mets à normal tu peux même te mettre à easy puis tu vas juste avoir du fun pour l'histoire. Je m'en faut que tu jouais ici. Tu le highlight de ce jeu-là, c'est l'histoire au final. L'histoire, la musique, les personnages, euh, c'est le gameplay c'est pas mal. Le gameplay c'est un RPG standard. Ouais, c'est standard. Mais c'est les animations, les animations des craft skills qui est comme les habilités spéciales mm -hmm. sont cool. Puis les special craft, les S-craft, en gros le special skill, ils évoluent très bien. Mais c'est ce qu'ils font avec dans les special abilities of Fallout, c'est que les autres sont plus tu sais, c'est du all RPG, des petits bonhommes. Tu sais, c'était vraiment comme... style PlayStation 1. Oh oui. Puis moi, je trouve encore ça cool. Mais quand tu vois leur, leur craft spécial en 3D bien fait, tu fais... Yes! OK. Là, encore là, on parle de clients imbéciles. Puis, maintenant bah, tu on parle de moi. Parce que tu me l'as un peu vendu. On parle de plusieurs tu qui veulent pas... me un peu vendu, On, on parle de plusieurs qui que... veulent pas euh... embarquer dans la série parce qu'ils ont peur parce qu'il y a 10 jeux. Ouais. Faut pas avoir peur des 10 jeux parce que... comme Je vais toujours dire... La personne qui a été la plus stupide dans toute l'explication de où commencer, ça l'a été ni pas Software en disant Vous pouvez commencer avec le 3. Non! Tu ne peux pas commencer avec le 3. Bon. Là, juste pour être sûr que j'ai bien compris, quand je parle d'un client BC, je parle de moi. Quand tu veux. Quand on parle d'un client je parle de moi. of Zero. Ouais. Tu vas commencer. Combien? y a-tu beaucoup de 15 millions de sidequests que là, tu vas juste. Tu pas obligé d'y faire. Les side tu n'es pas obligé de les faire, c'est juste parce que tu peux avoir comme des espèces de bonus ou des affaires de même, mais tu n'es pas obligé. Okay. Es, ouais. pas, les side quests n'ont pas énormément une grosse importance au lore. Tu vas comprendre, pareil, quand tu arrives à telle place, les affaires de même, c'est des petits blabla en the side. C'est pareil comme Cold Steel ou Sky, tu n'as pas besoin des sidequests. Ce des pas les, les side quests à non, Skyrim. Non, non, non. Okay. Es, pas, comme fi, pas comme, mettons, je vais dire Final Size, qu'il y en a une, tu vas faire comme, oh, quoi, tu... allô? C'est quoi, allô? Il y a un choco. Oh. Puis euh, le monde qui, qui va y jouer vont comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y a un chocobo, puis ils vont pas comme. Oh, OK, OK. Bon. Campagne principale seulement, combien de temps? 50, 60 heures. Ah, pendant que c'est long, car liste pour une campagne. OK. Mais c'est le texte. C'est là le. Ouais, tu peux pas pour... s'occuper le texte. Pour, be... pour beaucoup de monde, c'est là le problème de ces jeux-là. C'est le Falcom. Nihon Falcom, là, on voit tout le temps NIS, mais c'est Nihon Falcom. C'est leur bébé. Le producer de ça, c'est un génie pour le, 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 la direction, de la production, puis le texte, l'écriture de tout ça. C'est tellement bien écrit. Moi, je trouve que c'est tellement bien écrit, même s'il y en a qui vont chioler ses traductions américaines, là, parce que c'est tout, tout le temps chioler ses traductions américaines, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est juste du monde qui chiale. Mais c'est qu'il y a tellement de lore important que tu ne peux, peux pas tout skipper. Tu peux pas skipper. Si tu fais ça, tu vas arriver à une place tu va faire comme. Je sais que tu parlé de lui, mais t'es qui, là? C'est ça aussi que ça peut être lousse, parce que c'est un jeu que tu peux pas vraiment prendre de pause. Tu joues non-stop. Parce que si tu arrêtes de jouer pendant pendant un mois, tu retournes, tu es dans la merde. Là, ce qui est drôle, puis je me gêne pas de le dire, parce que moi, j'avais fait Zero puis Azure dans le temps de la PS Vita sur le patch, le fan translated en anglais. Je mm. les avais fait version japonaise, puis je voulais pas. Fait que Je me souviens pas si dans eux autres, ils ont fait un summary ou un recap des chapitres. Parce que dans lui, ça existe. Ça c'est bien ça. C'est un petit recap tout le kit mais tu comprends. Major. Mais si tu arrêtes une semaine, un mois c'est peut-être beaucoup mais tu arrêtes une semaine, tu seras pas perdu temps que ça. Arrête pas comme un... arrête devant un boss. L'idéal ce qui est pas c'est qu'il y a des espèces de statues de, de, de on va dire des espèces de, statues de qui sont comme des restes de vous savez comme tu peux saver là, tu peux à start, tu peux sauver n'importe où mais tu peux comme rester puis tu tu, tu sais qu'il y a de quoi qui s'en vient. Arrête là. Tu le boss, continue story blablabla, tu l'as. C'est pas si payé que ça. Okay. T'es pas perdu. T'es pas, pa pas perdu, Tu seras okay. pas perdu. Combien de temps à peu près, lui? Même affaire. Okay. Même affaire. Bon, c'est relativement la même affaire tous les je... temps, 50-60 heures. Si tu fais pas de side quest, chaque jeu, c'est en moyenne 55 heures. Okay. Question. Là, là, tu me dis que le prochain qui vient, qui va sortir probablement bientôt, que tu as joué une traduction whatever. On espère qu'il va sortir bientôt. Il va sortir. Oh, on commence sans crise. Pourquoi? OK. Lui, est-ce que je pourrais le jouer sans faire les 10 autres avant? Oui. Oui, parce que... Ok, là, il dit « revamp », là. C'est... ça reste dans le même univers. Ouais. Mais, pour expliquer rapidement, comme je disais, tu les trois provinces qu'il y avait là, puis la province du prochain jeu, Kurono Kiseki, c'est dans Calvert, qui est à l'est de Crossbell. Fait que, c'est des nouveaux personnages, des nouvelles zones, puis tu sais, c'est... quelque chose comme deux, trois ans après Rivery. Mais, il y a des il y a quelques références... On va appeler ça des, des clins d'œil. Des, des, ben, des clins d'œil, mais un personnage qu'il y a beaucoup de monde qui aime dans Cold Steel... Ta voix, deux personnages que ben du monde aime dans, la, dans les trails, euh, tu les revois dans, euh, dans le 11e, Kuro mm -hmm. No Kiseki. puis il y a un personnage qui est dans les Sky qui s'en va une année, tu le revois là, tu fais comme Oh, aïe c'est cool, allô, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Mais quelqu'un qui les a pas joués et qui va commencer Kuro, il y, y a des explications, moi il explique qu'est-ce que le personnage a fait, blablabla. Ce n'est pas tant pis que ça. Est okay. pas Pour la Wi-Fi, je peux confirmer que c'est pas tant pis que ça. ça tu l'as fait pas quoi possible. Tu l'as fait comment, toi il... Sur Steam. Je l'ai acheté sur Steam. Ah, mais il existe sur Steam. Il est sur Steam. Ok. c'est la version techniquement chinoise euh, de Cloud Leopard, puis le monde qui ont fait un fan translated. Ah, c'est pour ah. ça que tu as réussi à jouer. Avec. Exactement. Vu que c'est sur Steam, c'est très facile de modifier les, 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 les documents. Fait que au lieu que le texte soit en chinois, le texte est en anglais. Ok. Mais, mais c'est pas fait tout, tout 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 qui est traduit. Il y a bien des NPC qui ne sont pas traduits. Fait que là, tu genre, tu vas faire comme, ah, ok, non, je ne peux pas parler à ce celui-là. Techniquement, le jeu n'est pas encore sorti en Amérique du Nord. Non. Techniquement. On le sait qu'il va sortir parce que Nipponus Software l'ont mis sur Steam, la version japonaise, mais publié par NIS America. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir version américaine. Quelqu'un qui l'achète présentement, comme probablement moi, parce que je vais vouloir y rejouer pour avoir fait Rivery, je vais juste mettre la page, je vais y rejouer un peu. Puis quand que le jeu va sortir en anglais, il va juste avoir une update. Comme, un update. C'est comme, il y en a un autre, mais lui, c'est un, un non-canon avec les trails, c'est euh, Nayuta. Nayuta, c'est Falcom avec. Ouais, mais il y en a. C'est vrai, il y en a un nouveau qui sort. C'est quoi lui? Nayuta Nokiseki, c'est plus un genre de style à la YS. C'est un RPG. C'est un Legend of C'est un Trails. Il est où dans la série, c'est vrai, lui? Il est pas Canon. Il est pas là. Non, 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 ça n'a pas rapport avec ça. C'est vrai, il y en a un qui sort dans un mois. Nayuta. Nayuta. Mais là, ça a été confirmé par Falcom qui est comme non-canon avec les Trails, mais il y a un personnage avec dans un des jeux. Tu fais comme on, on est pas cave là. Il est-tu canon, il est pas canon, le le jeu! Il est pas canon, mais on a un doute. Tu peux pas sortir un jeu dire qu'il n'est pas canon pas canon finalement Le jeu le jeu est pas canon. Un personnage on pense qu'il a peut-être fait comme je passer d'un jeu à l'autre. Tu joué celle-là Non, pas encore. Nayota, je l'ai pas fait. OK. Naïuta, je l'ai pas fait, mais c'est parce que le personnage le le look là, ça ressemble trop à un personnage qui est euh, là-dedans. Fait que même si il n'est pas canon. Ah, tu peux y jouer puis... Euh... Non, non, non. Ma question, c'est même s'il n'est pas canon, toi, tu texté puis et tu as hâte quand même de jouer. Ah, c'est sûr, c'est un Trails. Fait, tu t'attends au même niveau. Fait, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a avec la New Top? C'est sûr que c'est un vieux jeu, je pense. Hein? Oui, c'est un, un très vieux fait, jeu. que j'ai vu des là. graphiques. Il ben t'avais montré à jouer et il dit « C'est l'être en Chris. » J'ai dit à jouer. C'est un Trails, full faut le quand même. Mais... Fait que c'est quelqu'un qui a jamais joué à aucun, 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 aucun trail. Ah, il, il pourrait prendre Niagara Utah. Niagara Utah, c'est bon un bon petit soir. jeu d'action, un petit action RPG. Let's go. Merci, bonne journée. vas avoir un bon petit jeu. Ah, c'est un que je pourrais jouer. Yes. <laughs> Mais, c'est ça les... Le Pourquoi les trails, en gros, avant la à avant mais à, à ben Du Monde avec Parce que c'est sûr que le 1 puis le 2 euh, sur PS4 est un petit peu plus rough à trouver quand tu prends le full box. Là. On s'entend que j'ai la version normale puis la version sealed. Merci à vous autres encore. Euh, j ai, j ai, si j'ai ramené ma, ma, <laughs> ma, ma collection des trails, je pense que j'avais trois sacs de même. Uh, puis tu sais, même le collector de Rivery japonais, c'est un suitcase. Puis il est beau, le suitcase, parce que c'est le suitcase qui est comme l'arme d'un des personnages dans Rivery ah. en plus. Fait que c'est comme. Mais ce qui est le fun de cette série-là, pourquoi ça m'a accroché, c'est pas juste l'histoire, c'est la musique, les boss fights, les moments comme oh shit, les trahisons, les. Il y a des tout est excellent je... dans le fond. Moi, je trouve que tout est bon dans ce film. À, à part, je mets ça en guillemets, que le système de combat est très simple, oh, mais qui est pas une mauvaise chose non plus. Parce que moi, il y a ça, il y a plein de clients qui me disent, ça m'écoeure, ils font plus de comme dans le temps. Mais tu sais peu, plus expliqué aux clients en fouet, parce que c'est pas rentable. Au lieu prends mettons comme un vieux Final Fantasy où ce que tu avais des petits bonhommes sur le côté, c'est la même affaire mais en 3D sur un cercle. Ouais. Mais c'est parce que tes bonhommes tu, ils vont tu sais ils vont bouger mettons l'ennemi mettons il va caster un spell mais tu vas voir le rond où ce va le caster parce que son tour n'est pas encore là pour caster le spell. Fait que tu as le temps de bouger tes bonhommes pour sortir du spell puis le spell passe dans le bar. Fait, fait que pour sonner tu... la conversation ouais. un client qui me dit parce que ça arrive souvent comme je te dis qu'ils me disent ils font plus de RPG comme dans le temps, qu'est-ce que tu me conseilles Moi, je dirais ouais. garde fais ces deux là. Oui. Après ça fait euh, non, c'est pas vrai. Après ça non 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 non. Non non, non. Alors, je recommence. Je dis au client de faire je vais te, te reprendre deux ça. là. Oui. Après ça d'écouter un recap de toutes ces cochonneries là. oui Puis d'après ça faire le 3 4, puis après ça faire riverie. Exactement. Puis j'ai dit au client tu vas être pendant en deux après ça. Oui. Asti, t'as fait ta job. T'as réussi à me faire vendre pour vendre, mais je vais faire encore non, plus. Non, 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 ça m'a pris 30 ah, minutes allez, Non, non, non. Mais, tu savais où tu t'en tu, 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 tu es avec ça? T'as as très bien résumé ça, Mike. Je peux pas. Non, mais Mike, t'as bien résumé ça, puis j'aurais résumé ça de la même façon, comme je dis avec quelqu'un. Quelqu'un qui va dire, ouais, mais tu sais, c'est des petits bonhommes, j'aime pas ça. Ouais, là, tu vas, dise... aller tu vas aller à l'inverse, tu vas dire, Fecal Steel 1 et 2, le recap de Crossbell puis Sky, le 3 et 4. Pire, pire. OK. Fait que si graphiquement, c'est super important, plus Cold Steel 1. Mais si et 2, graphiquement, tu joues à des indies ça fait le même, tu te gâter avec. Tu sais, je regarde hein, graphiquement, c'est pas laid. C'est juste que non, ça, c'est des old, sprite des pis old fait de sprites. C'est des old sprites, c'est ça. Oh, tu ouais. sais, c'était les sprites que quand les, bonhommes les NPC bougent pas, les pieds, ils se font aller. Juste oh, dans... ouais. Mais le pourquoi aussi. Là, t'as tout bien dit, mais il y a un gros pourquoi avec que j'ai aimé ce jeu-là, cette, jeu cette série-là. C'est la première fois que j'ai joué à Cold Steel. Puis, il se passe de quoi? Tu arrives dans une place parce que c'est bien sûr c'est des étudiants, ils s'en vont pour un, euh, une, une place puis en tout cas Là tu parles au moi je parle au NPC. Un NPC va dire une affaire tout ça, tout ça sur la place où ils sont, qu'est-ce qui se passe, tu sais ça, ça, ça l'aide pour le world. Tu joues au jeu, des fights, boss fight, il se passe de quoi? Puis là tu reviens dans le même village, mais là tu es le soir, tu reparles à tous les NPC, ils disent pas la même affaire. Ouais puis mais c'est ça que j'aime d'un jeu! <laughs> non, toi tu t'en fous! Non, mais... Toi, tu t'en fous! Mais je m'excuse! Tu sais, je m'attendais à quelque chose de big, puis... non. Hey! Mais... Il dit okay. pas la même affaire! Mais vois ça de même! Je m'excuse, je, je suis vraiment désolé. Vo... Non, mais vois, vois ça de même, maintenant je joue à Final Fantasy VII. Ouais. T'es tout au début, mettons, ou quelque part, t'arrives à la fin de jeu, tu reviens au début, il va te dire la même crise d'affaires. Ouais. Le même dialogue. Mais un jeu que la compagnie prend le temps de faire un dialogue différent on avec on la on leur donne soir, crédit là-dessus, c'est. Ben, ça revient à ce que je disais, ma Wonders comme l'animation qui rentre dans un tube puis qui ressort, c'est inutile. Mais Ils ont mis de l'effort là-dessus puis ça va faire juste une, hey, un, de la sauce supplémentaire dans ça, ton jeu. L'effort, l'effort qui est fait pour le lore, pour le texte, pour les personnages, puis l'avancement de l'histoire. Moi je trouve ça important. C'est pas pour tout le monde. T'es pas obligé parce que c'est même Riveri, je parle à tout et bon Je parle, je parle, à tout. Je, 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 comme je dis, je fais tout. C'est ça que j'aime dans un jeu, mais c'est pour ça que cette série-là m'accroche plus que bien des RPG, c'est parce qu'ils prennent le temps de le faire. Il mm n'y -hmm. a pas grand compagnie, surtout pas square a euh, désolé à ceux qui adorent Square, mais il n'y a plus grand compagnie qui prennent le temps des détails comme ça dans un RPG ou dans un jeu en, en général, c'est ce qui fait que j'adore Neon Falcom, c'est qu'ils font attention à leur bébé. Parce que c'est vraiment... A, Neon Falcom, ils ont quelques jeux, mais ils ont Legend of Heroes, Is, is puis Tokyo Xanadu. Yes, wow, Sur PS4. Par... Oui, je P... sais. Mais c'est ça, Tokyo Xanadu, c'est Falcom. pis là, il y a des rumeurs qui vont peut-être montrer Tokyo Xanadu 2. Enfin, je n'ai pas entendu ce top un... oui. Il avait pas sa vitesse aussi, le jeu. Oui, il avait sa vitesse ouais, avec. Il avait sa vitesse avec. Fait que, tu sais, c'était un autre. qu'en gros, là. Si parler à des NPC, ça vous excite, je oui, à ça. Puis s'il y en a <laughs> qui veulent des détails ou whatever, parce qu'il euh, y sont... Hein... « Écoute, trouvez-moi, whatever, écrivez-moi, puis je vais t'expliquer la série. » Tu sais, ça ne me dérange pas d'expliquer. Je le fais avec certaines personnes. Il y en a, je ne pas de nom, mais il y en a qui aiment ça m'écrire sur Facebook en messenger en disant comme, « Mathieu, c'est un bout de lait, t'es courage! » Je fais comme, « Ben oui. » Ah, t'es rendu la référence québécoise de Trails. Écoute, c'est, 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 j'ai... mets dans mes mains, va. Elle tu choque un peu, t'es vraiment excité, là. J'adore ça, j'adore ça. Un de mes... Ah, mais non tu je savais que c'était bon parce ouais. que tu sais, je dis j'en en plein, tu m'en parles depuis Grande. des années, etc. Mais j'étais jamais capable de De comprendre ou de... Je de... explique mal. Fait que. <laughs> non. Fait que je comprends moi quelque chose. Ouais. <laughs> fait que, là, je suis comme content, là. Ouais. Je suis capable de. Un, je le sais. Puis si jamais, ça arrivera pas, mais si ça me tente d'embarquer dedans, je sais où commencer, quoi faire. puis je vais pouvoir aussi guider les clients maintenant. Fait que là, je suis vraiment content. Si. Fait que as fait ta job. Pis ça, le Megaman Battle Network en façon résumé Ben Ren. C'est parce que c'est un RPG quand on est habitué à des 2D, la seule zone que tu préfères Megaman Battle Network c'est parce que c'est un RPG, c'est ton genre de jeu préféré. C'est simple dans le fond. J'ai de la misère à pas embarquer sur un RPG même si mettons il est comme boboche quelque chose de même parce que j'aime le turn by turn, j'aime l'élément jeu de rôle, tu sais j'aime ça. tu sais c'est comme Final Size qui ressemble plus à un Devil May Cry qu'à un Final Fantasy. Parce que c'est le, 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 le directeur de combat de Final Fantasy, c'est le directeur de combat de Devil May Cry, mm. mais c'est un Final Fantasy, c'est un RPG pareil. Il y a du monde, oh non C'est un action game, c'est un RPG pareil, c'est un peu différent. Faut aimer ça, faut juste évoluer avec le temps. Mais tu vois, moi, le demi que je suis, c'est pour ça que j'ai hâte de faire Final Fantasy, parce que justement, c'est ouais, un action adventure. Tu sais, c'est comme le monde qui ont adoré Final 15. Moi, je l'ai pas aimé. La raison que je l'ai pas aimé, le combat, je l'ai adoré. Le world, je l'ai adoré. L'histoire, j'ai faite comme le film est meilleur. J'ai adoré Kingsglave j'ai pas ah, aimé l'histoire bon. du jeu moi, moi, moi c'est ouais. juste parce que j'ai pas aimé c'est que à... je, 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 je suis conséquent dans ce que je dis Mais il y a une année j'ai fait j'ai une petite perte de deux heures à faire des niaiseries de pêche moi là, là. mais c'est tu sais es que c'est drôle parce que là mettons en parlant de Final 15 ça ramène au Lord que je te parlais que tu sais de te vendre le Lord il nous a même je repense à Final 15 là de l'empereur de l'empire tout le kit bla 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 puis toute tu... Tu le vois et c'est rendu une espèce de bébête ou je sais pas quoi. T'es arrivé comment? T'as pas slack? Ouais. C'est arrivé comment? Non? Oh, dans le DLC. Hey, Square, fais attention à tes jeux. là. Ah, oh, ça, c'est con, ça. Mais c'est ça, ça, ça que j'aime pas. Puis c'est ça, quand je pogne une série Quand un de élément pendant l'histoire est dans une affaire payable, bon. tout se perd dans un studio. Il y a zéro DLC, à part des genres de costumes ou des affaires de même dans ce jeu-là. Zéro DLC dans les trails. T'as pas besoin de payer un autre 40$ pour avoir un side story ou quelque chose. Tout est là. Puis, vite-vite, pour finir avec Megaman, ouais, juste explique-moi, pourquoi qu'il y en a que c'est des white des white puis blue tu sais, dans dans Game Boy Advance. Ah ben c'est un peu comme le genre de Pokémon ben, en gros. Putain, Mais c est c est ça, C'est quoi qu'est-ce Qu qui est différent des, des, euh, des boss des boss différents, okay. des boss différents dans dans un puis dans l'autre. Ça c'est arrivé à partir de Battle Network 3 Trois a... c'était white et blue. Ouais. Euh, il y a eu euh, même Star Force avait fait a... ça avec euh, Red Joker puis, puis euh, l'autre. Euh... Ouais mais ben, c'est ça. T'avais avais, Shadowman dans un, t'avais l'autre dans un autre dans l'autre. Euh, puis t'avais tu sais. Megaman Battle Network ce que j'avais bien ben aimé avec, avec le, le, le Megaman euh, c'est que à partir de Battle Network tu t'avais comme des fusions avec des éléments. Puis, plus avancé avec le 3, tu avais vraiment les, les Soul Fusion avec les, euh, les ennemis. Fait que tu Megaman en Flame Man. Là, c'était comme cool. Là. Tu prends le chip, là, tu avais comme Megaman Flame Man, mais c'est parce qu'ils prennent le temps d'y faire un look. Tu regardes le artwork qui est dans le, le Megaman Battle Network Collection sur, sur Switch, ou je pense qu'il est sur PS4 avec. Oui. Tu bon, tu regardes les images, mais tu regardes Megaman en Elec Man, en Woodman, en Iceman. Tu fais comme, OK, Capcom a vraiment pris le temps, genre, de, de tout faire ça. Mm -hmm. Moi, bon, il n'y avait pas grand RPG qui, qui faisait ça, ouais. là. Euh, Mega Man, le Star Force. Oui. C'est-tu Canon? Ouais, mais c'est Canon avec Network après. Ok, c'est okay, c'est vraiment plus. Mais tard, tu peux là. quand même faire des Star Force. sans ah, faire, sans faire Network, tu n'as pas besoin. Euh... Question, est-ce que tu peux commencer avec euh, Mega Man, Ballon, Network 4, sans faire les trois autres avant? Tu peux, mais tu vas manquer des affaires. C'est... Oui, tu peux. C'est un peu différent pour Network parce que... Oui, tu peux parce que... Il ne reparle pas vraiment du passé. Tu as juste, mettons, Lan, qui est le personnage principal avec Megaman, avec ses amis. Okay, tu, vas, okay, tu vas comprendre que c'est ses amis, parfait, datit. Tu vas comprendre mettons, que Gutsman est avec l'autre, Roll est avec la fille. Euh, c est, c est, tu vas faire comme, comme euh, dans, dans le 1, celui qui a fait il y a une continuité, mais pas vraiment. Oui, c'est ça, c'est ça. Je parlais de Battle Networker, mais je repense ça. Moi, j'avais jamais fini le 1, puis j'avais fait le 2. J'ai fait le 1 plus tard, puis t'as pas perdu. Nous. Euh, Est-ce que tu conseilles le Legacy Collection? Oh, oui, oh, 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 définitivement. Ouais. Ben, T'as Adobe Network 1, 2, 3, les deux versions, 4, les deux versions, 5, les deux versions, 6, les deux versions. Pour. Oh. 90$. Years. Au lieu de les trouver sur Game Boy Advance, il faut que tu trouves un Game Boy Advance. Préférablement cool. SP pour avoir la lumière. Bonne chance. Ouais. Euh, pis qui est encore fonctionnel ou, euh, tu sais... oh on là-dessus. C'est ça, tu sais, c'est une... Mais non, 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 non Battle Network, c'est définitivement mm. un masque, là. C est, c est, pour moi, c'est un masque, c'est pas... Euh, c'est des... Ah, okay. oh, c'est un bon RPG. Bon, on finit avec la grosse bébête, ouais. parce que je pense qu'on est quand no. même euh, très loin dans le temps. Ah, oh, écoute, je te que... fais ça bien vite, parce ouais. que j'ai pas besoin de te vendre ça techniquement Non, non je pense que tu veux juste braguer puis le montrer dans le public. <laughs> honnêtement, il y a un peu de ça. Ouais, ça. Mais non, ça, c'est un peu à vendre... Pas juste à toi, mais au monde qui ont peur d'embarquer là-dedans. Parce que moi j'ai commencé à... Okay, que tu montes la grosse bébite super. Attends! C'est là que c'est là que je m'en vais! J'ai commencé. cest sûr qu'on t'a dit que pointé c'était poli. <laughs> pointé dur. J'ai commencé ça à cause de toi. C'était plus un reverse vends moi ça. Je m'excuse. Oui. Non, oui, les fouille parce que j'en ai un chez nous, puis j'en ai d'autres qui m'attendent. Mais j'adore faire ça parce que ça, ça, ça décomprise du gaming aux affaires de même, pis c'est vrai. Ça, ça fait tellement du bien. Des fois, après une, une grosse journée de job, une petite heure ou deux. Au début, là, je, ce que je parle avant de le montrer, c'est les guns-là. Les model kits de Gundam. Non, on vient à la pâte à moitié moitié du crowd. Ben, écoute, <laughs> je, pensais tout des, pff, je pensais que c'était toutes des affaires à coller. Jusqu'à temps que tu m'arrives, tu dis non, c'est du clipping, je fais comme, pardon, j'achète un high grade. Je le fais en trois heures. C'est super beau, clip, pas de problème. J'en mm. fais un autre, j'en fais un autre, j'en fais un autre, j'en fais un autre. Je commence un master grade, je fais un real grade. Le real grade, je me disais, hmm, je vais avoir peur. Non, c'est la même petite affaire avec l'articulation. Oui. Mon septième. Ça a été un Perfect Grade. Eric 78. Acheté ici. Eric 78-2 le Perfect Grade Unleash. Oh, ah! Okay, C'était mon septième. Mais là, là. C'est là que le monde font comme. Ah, oh, Non. Un Perfect Grade, ça a la même affaire ouais. que les autres, c'est juste plus gros. Mais ça, j'explique souvent aux clients. Qui veut commencer les. les, oui. les euh, parce que dans le fond, y il y a plusieurs, plusieurs grades. high grade, master grade, grade, dans le fond, ça dépend des gros serpents, oui. etc. Souvent, je dis aux clients un master grade puis un high grade. C'est la même affaire. C'est pas plus compliqué que l'un que l'autre. Mais je conseille jamais les gens de commencer avec un master grade non. parce que ton premier. Les, 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 les premiers que tu fais, ils vont toujours avoir des, des petits défauts de fabrication. T'as pas bien coupé une pièce, t'as trop coupé une pièce, t'as trop limité, etc. Puis les master grades sont plus dispendieux. Oui. Fait que ça te fait chier, parce que moi, je suis comme ça. Que genre, mettons, j'en finis un qui va me coûter comme 80-100 Ben, tu il y en a. Ça va entre genre 60... 70$, puis ça peut jusqu'à 120$ à peu parce près. oui, ouais, 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 ouais. Mais tu sais, c'est parce que tu le regardes, puis tu vois les défauts. Puis aussi, ouais. c'est parce que aussi, quand, quand tu bouges là, une jambe, t'as tu l'armure qui bouge, etc. Puis si tu ne nettoies pas bien tes pièces, ça peut comme cliquer un peu. Ça clip mal si tu ne coupes pas correctement. Ouais, c'est ça. Fait tu tu moi, je dis aux gens, c'est que c'est pas plus compliqué l'un que l'autre, mais f... commencez comme un high grade pour vraiment voir. Puis moi, je dis aux gens, c'est que la journée que tu finis en high grade, tu le regardes, tu dis « Oh, il est il n'y a pas de problème. » Master grade. Là, tu vois les master grade, Si tu aimes mettre le montant-là et la grosseur. Tu as fait un master grade, tu es prêt pour le real grade. Oui. Parce que le real grade, la seule grosse différence, c'est la même grosseur qu'un high grade, mais c'est l'articulation. C'est plus réel. C'est real grade. C'est sûr que le real grade, tu jamais fait en premier. Parce non. que là, les pièces sont tellement petites, c'est tellement minutieux que si tu rentres, tu pètes des morceaux. Puis là... C'est une autre affaire que j'avais peur avec, puis c'est là que j'ai trouvé ça pas pire parce que ça te prend les bons équipements. Honnêtement, ça prend deux bonnes paires de pinces, des affaires de même. mais Une pour couper le, le runner, puis une pour le le, 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 le mincer. Oh, ouais. Une lime à ongles. Juste une lime à ongles mm -hmm. euh, transparente, puis c'est à ça que ça sert. Ou du papier sablé. Euh, des, ils vendent des petites languettes, où t'es fait toi-même. Tu achètes du papier sablé à Orono, whatever, tu prends un morceau de bois, tu colles ça dessus, puis tu viens de faire ta languette de papier sablé. Oui, oui ben, les petites que j'achète, c'est dans les body shops de voiture. J'ai pété une pièce dans toutes mes guns. Dans d'autres mes guns plats, je pas fait attention. Je l'ai réparé, ça paraît même pas. Bon. Parce qu'il y a les produits qui existent pour ça, fait il n'y a rien de dangereux là-dessus. Puis celui que je veux montrer, c'est parce que où est-ce qu'on peut arriver à ah avec oui, ça Ah oui, dire que le, ce hobby-là, il est très accessible. Il est très accessible. Puis là, ça, c'est la grosse pièce. Ça. Je sais pas si. Oui, on le voit bien. Okay, on le voit ouais. bien? Bon. Ouais. C'est un perfect grade du Unicorn Perfectability. Il y a plusieurs versions du Unicorn. Oui. Ouais. ça, ça a tout le teinté, le look que je trouvais le plus beau. Puis ça, c'est la grosseur d'un perfect grade. Écoute, c'est un 60 avec tout. On voit comment c'est gros. Il y a du monde qui fait « Tabarouette, ça doit être dur. Comme je dis, ça a même affaire que les mmh. autres. Tu fais juste. Il y a juste plus de pièces. Et il y a de la pièce en tabarouette là-dedans parce que c'est tout collé, tout. Ben pas collé, mais euh, c'est tout clippé. C'est tout à faire. Il est tout open. Il est en destroy mode, mais je veux pas le remettre en normal parce que je suis juste trop paresseux. Puis j'ai même pas fini la job dessus. Il me manque les décals puis le, le panel running parce que moi, je pose vraiment. Euh... Tu sais, c'est un hobby qui est relax. Ouais, le, 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 le pourquoi ça, c'est parce que lui... Euh, ah, il est tout plein, ouais. Oh, il allume! C'est parce que, ouais, lui, euh, c'est parce qu'il y a des mod... Les Perfect Grade, il y a des modèles qui peuvent avoir des lettres. Ouais, comme l'Exia. Euh, Exia, euh, C'en est un. Unicorn, le normal, le Perfect Grade, euh, il y en a. tu sais, le Unicorn, il y, a, il y a tellement de versions, là, fait que... Euh, pis... Le Unicorn, c'est le Skyrim des gants de plat. Ils vont milkier il ça tant qu'ils peuvent. Oui, oh, oui, oh, oui, oh, 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 c'est vraiment le cas là. Mm. Le, 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 le Full Armor, le, le normal, le Perfectibility, mm. Destroy. Full euh, Armor c'est mon préféré. Le vert là, le Full Armor c'est le vert avec les euh, le Gatling, les ah il était carré, Colin. Oui j'aime ça les gars, mais plus avec ben des gars. Mais pis là, lui c'est mon, attends une minute, Eric Snowman c'était mon septième, ça c'est mon onzième. Ok. Fait que pis là, je monte ça, pis mon font comme, y a du monde, tu sais, sur mon Facebook, qui arrivent, « Hey, c'est bien compliqué toute l'équipe, non? Non. Je pensais que c'était compliqué, puis je me souviens même, comme un cave, je t'avais ramené, ben je je, je ramené un Master Grade Epion. Ah oui! Parce que je n'avais jamais fait, puis j'avais peur, puis on n'en a jamais parlé parce que c'était pas toi qui étais là. Puis tu m'avais dit, on oh, ramène moi ça, correct, toute la kit, ça va se vendre. Puis je oui. pense trois mois après, là, je check ça, je fais comme, ah, j'ai peur de commencer, c'est de la colle. Non, c'est clip, tu m'ouvres une boîte, tu me ça, es tu es sérieux? Fuck, man! Mon Epiol, c'est comme mon Gundam préféré. Il y a de la masse je le regrett... chez nous. Je le regrettais, là. J'étais comme, fuck, faut que j'en je trouve un. J'ai réussi à en retrouver. Merci. Il est ressorti. J'étais comme, ah, tu sais, tu un câble, le gars qui traite qui... 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 de. Hey. Quand, ben tu là... sais, quand tu sais pas. Mais ben là, je l'ai fait. Puis là, souvent, c'est ça. Fais... Tu sais, ma job, c'est les 12 heures. Tu sais, jour et nuit, des fois. Puis j'arrive le matin, mettons, en finissant, j'arrive, je prends ma douche, puis je fais comme un heure juste de ça. Un heure, là, j'ai le temps de faire une jambe. Avec mm -hmm. un real grade ou un high grade, c'est vraiment pas long. Puis moi, je les sors tout le kit. L'important, c'est plus les, les, les. Tu sais, quand tu coupes, là. Les nobles. Les nobles, les, les nobles qu'on appelle. Si tu les sors pas, pas tant grave. Tant au moins que tu les coupes, tu sais, bien serré. Ouais. Parce que sinon, ça. ça tu, tu vois, puis ah ouais. la pièce ne veut pas embarquer. Mais je monte ça, puis il y a du monde qui font comme. Oh, ça a dû être long. Lui, il m'a pris à peu près 40 heures à faire. Mais c'est parce que. Tu sais je suis perfectionniste à c'est heure. 40 heures bien là. investi, c'est quoi le problème? Bien, très bien investi. Lui, il vaut cher, là, par exemple. Là. Mais, tu sais, quelqu'un qui se met, mettons, juste des high grade. Il y a du monde, là. Tu vas juste dans le high grade, des petits normales. Ça coûte quoi? C'est 25-30$, un high grade? Je te dis que les high grades, ça peut être entre 20 40, et les plus ou... chers sont 40. Ils sont 40, c'est ça. Tu as des versions plus gros avec de high grade, oh, là. Ouais. Euh, ben normalement techniquement c'est du 1, 144 fait que si tu vois, on a deux high grade en ce moment magasin qui vont en haut de centaines Penelope ben Penelope Penelope puis le Penelope ils ben, sont gros ben, ils ouais, sont, sont, sont sûr, gros c'est des machines ben, oh. c'est du 1, 144 mais du vrai tu sais oh. je vais prendre le, le, le un, un armor de un, ben, en tout cas le pourquoi que là je te montre ça tu sais comme juste un reverse vends-moi ça mais c'est le monde qui vient, admettons, au magasin ou ailleurs mais, préférablement ici euh, ils voient ça puis ils font comme « tu sais C'est cool, je connais Gundam puis tout le kit, j'ai peur d'embarquer là-dedans ». Il n'y hey, a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. T'ouvres un high grade, t'as quoi? 4, 5… Euh, Planches. Planches de runner. T'as un beau petit guide. Les guides, le monde font comme « oh mais c'est en japonais ». Si t'es pas capable de comprendre que A1 va avec B2, retourne à l'école. <laughs> ben, c'est juste ça. J'avais peur au début, j'ouvre le guide, c'est japonais, fuck. Là, je fais comme « A1, A1 ». Check, le run, check le, la, 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 la table de runner, je fais A1. Non. OK. Ah. Puis tu sais, il y en a tu... qui sont faites pour les enfants, tu... les SD. Oui. a et... et... qui sont des Pokémon, tu, sont, tu peux le faire à même. Hey, outil. Je pas besoin d'outils. Je l'ai fait, le petit Rowlet. Rowlet là, que j'avais pogné ici, là. C'est gros de même. Ouais. 10 minutes. Moi, ce que j'aime les Gunpla, c'est que c'est comme exemple, donnez moi, une histoire. Le film de Grosse Bastard de 2018, je oui. savais qu'il était mauvais. Ouais. Je l'ai pas vu. Mais je voulais l'écouter quand même, juste pour me confirmer ouais, qu'il ouais. était mauvais. Je l'ai fait pendant que je faisais un gun Pis après avoir fini le film, j'ai confirmé qu'il était mauvais. C'est moi souvent quand je me fais quand je me fais à manger, souvent, je mets quatre paquets de, de dinde hachée dans ma poêle, puis je mets des assaisonnements, puis chaque de temps en temps, puis je fais mon gosse en même temps. Je, moi je t'ai installé mettons. Là je me suis fait un, un setup chez nous avec une pièce toute tout le kit. Puis là je me suis, mis, me suis finalement mis un écran. J'ai euh, j'avais acheté de quoi pour ma, pour ma Steam Deck, mais marche avec le téléphone. Fait branché sur l'écran, je mets mon oui. téléphone là-dessus. Puis j'écoute YouTube, j'écoute Twitch, ça oui. pas la même. Puis je fais ça, mais je fais une à deux heures par jour. Je décompresse du gaming, je fais autre chose. Ça se fait tout seul. Le deux heures a passé tellement vite, mais c'est tellement le fun d'en faire. C'est pas complexe, c'est. Toi, il y a un client qui est venu en fait fin ça, puis il a dit, ah, hey, je vais commencer là-dedans parce que je fais des Lego, mais je trouve pas ça assez comme challengeant. Fait que lui, il a commencé ça. Les Lego là, c'est un starter pour ça après un peu. Moi, c'est vrai que contraire. J'ai commencé ça puis je le suis Lego. T'as commencé toi, c'est Lego. Mais les ouais, Lego le c'est drôle, mais je vois, je vois du stock des fois. Puis les Lego c'est le même principe. Ouais. Quelqu'un qui veut builder les grosses affaires de Lego, c'est hot en ensemble. C'est la seule affaire qui est différente. Différent, différent c'est qu'il faut que tu nettoies tes pièces. Tu sors de ta planche puis tu les nettoies. Sinon, ça reste un Lego. Ça reste un Lego. C'est littéralement la même affaire. Puis ce qu'ils font, vu que Bendai font une méchante belle job avec le model kit, le monde, j'ai acheté un Airbrush. J'ai essayé. J'ai un petit compresseur, l'Airbrush le Kit, pour les peinturer. C'est tout dur. Pas tout. Oui, tu peux le faire, tu peux customiser. Tu, tu, si tu peux veux. customiser. Il euh, y a des marqueurs, il y a les, les produits. Écoute, les, 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 les espèces de setters ou les, les, les affaires à nettoyer là, qui sont en. Tu sais, c'est en vide. ben qu'est-ce hum. que tu vends, là? Ouais. Tu sais quoi, c'est 5-6 piastres. Puis, euh, j'ai jamais réussi à passer à travers une bouteille avec tout ce que j'ai fait. Tu veux t'arrêter, là? Oui. Parce que clairement, écoute, on peut ouais, continuer. Oui, euh, ouais, écoute. Ouais, je hey, pense on on, euh, à la semaine prochaine. Bye!